comme vous le savez, sans doute jusqu'à peu, lorsqu'on détectait une anomalie sérieuse sur un embryon ou sur un fœtus à l'occasion d'un diagnostic prénatal ou préimplantatoire, pratiquement la seule action qu'il était possible d'entreprendre était d'éliminer ce fœtus par un avortement ou cet embryon en ne l'implantant pas. Bon, il est vrai que sur le fœtus, quelques interventions ont déjà été pratiquées, donc il y avait déjà quelque chose, mais pour l'embryon, il n'y avait véritablement rien de tel. Or, ces situations sont en train de changer, et on peut déjà maintenant, et on va pouvoir de plus en plus, soigner un embryon, du moins pour certaines pathologies ou certains problèmes, plutôt que de les éliminer, certes encore dans des situations bien précises. Mais dans un futur, même peut-être pas trop lointain, on a aussi l'espoir d'aller jusqu'à traiter les maladies génétiques. Évidemment, ça impliquerait une thérapie génique germinale qui, pour l'instant, reste interdite dans, en tout cas, tous les pays européens, à cause des risques, essentiellement à cause des risques qui sont encore mal connus, vu que la modification génétique passerait aux générations futures, c'est-à-dire aux enfants que cet embryon, une fois devenu adulte, pourrait avoir. Et donc c'est une des raisons, les risques sont mal connus pour la thérapie génique germinale, c'est une des raisons de l'interdiction, et d'autre part elle soulève d'autres interrogations, aussi des interrogations éthiques qui ont été soulignées par certains auteurs. Certains craignent que l'on puisse, par la thérapie, passant de la thérapie génique à la manipulation génétique, à augmenter des embryons et l'être humain, et certains sont inquiets face à ce programme d'augmentation de l'être humain. Bon, tous ne le sont pas, hein, mais j'entends que ça fait partie des débats de société. Ou pour programmer des bébés, avoir un bébé parfait, c'est un débat qui avait déjà d'ailleurs eu lieu dans les années, je veux dire 90, puisqu'on m'a présenté comme Suisse, 90 pour la traduction française. Toutefois, donc, dans le domaine de la thérapie génique, les progrès récents de ce qu'on appelle l'édition du génome, grâce à une technique dont vous avez dû entendre parler déjà plusieurs fois dans les jours précédents, de la technique de CRISPR-Cas9, ça pose effectivement la question de savoir s'il ne faudrait pas revenir sur cette interdiction, vu le potentiel thérapeutique de cette approche. Mais ça, c'est pour l'avenir, peut-être pas l'avenir lointain, mais c'est pour l'avenir. Mais déjà maintenant, deux techniques de traitement, c'est pas un terme qui va très bien ici, de soins de l'embryon sont déjà disponibles et ont été utilisés avec succès. Il s'agit d'une part du don de mitochondries, qui a permis à deux enfants déjà de naître récemment, et de la restauration de la diploïdie. Il y a une naissance déjà en 2002 qui a eu lieu. Alors, en quelques mots, de quoi s'agit-il? L'objectif du don de mitochondries, c'est d'empêcher la transmission de défectuosité mitochondriale maternelle à l'origine de maladies souvent sévères chez l'enfant, en substituant aux mitochondries de la mère, donc ces organelles qui sont dans les cellules, celles d'une donneuse. D'où l'expression qu'on a entendue dans les médias d'enfants à trois parents, que certains ont employé, puisque en plus du père, deux femmes contribuent à la création génétique de l'enfant. Bien, ceci donc, il y a déjà eu deux naissances, mais en 2017, il faut aussi le souligner que l'Agence américaine du médicament, la FDA, est intervenue pour faire cesser les recherches cliniques et l'usage clinique de cette technique, parce que, c'est le problème qui était soulevé, elle semblerait impliquer la création d'embryons génétiquement modifiés, ce qui n'est pas autorisé. Par contre, vous voyez que le débat a lieu, en Angleterre, eh bien, cette technique a été autorisée au niveau clinique par les autorités britanniques, même si, à ma connaissance, il n'y a pas encore eu de naissance due à cette technique-là. Ça, voilà ce qui est, donc il s'agit, voilà pour le don de mitochondries dont on a pas mal entendu parler déjà dans la presse, mais quelque chose de moins connu, c'est la restauration de la diploïdie. En effet, certains parents n'arrivent pas à concevoir des embryons normaux parce que notamment ils contiennent plus que deux pronoyaux. D'habitude, il y a deux pronoyaux, celui qui vient du spermatozoïde, celui de l'ovule, ils fusionnent et il n'y a plus qu'un noyau. Mais parfois, ce n'est pas comme ça que ça se passe, il y a plus que deux pronoyaux, il peut y en avoir trois, par exemple parce que deux spermatozoïdes ont pénétré dans l'ovule au même moment. Il y a même eu des cas où il y en avait jusqu'à sept.
Et ben jusqu'à maintenant, ces embryons n'étaient pas viables, mais maintenant, on arrive à enlever les pronoyaux supplémentaires et donc à restaurer la diploïdie. Et à partir de là, on a pu, ça a été fait une fois en tout cas, transférer un embryon ainsi traité dans l'utérus d'une femme et ça a donné la naissance d'un enfant viable, donc il y a une quinzaine d'années déjà. Alors voilà, ça c'est sur le plan technique, mais sur le plan éthique, bien plusieurs choses, je vais déjà très rapidement, parce que ça va être discuté abondamment, indiquer une ou deux petites choses. D'abord, ces techniques de médicales qui permettent de traiter un embryon impliquent que l'on fasse des recherches sur l'embryon humain, parce qu'on ne peut pas faire des recherches uniquement sur les embryons animaux, vu que les espèces sont quand même relativement différentes. Et on peut espérer qu'au fur et à mesure où les techniques deviendront plus sûres et plus efficaces, le nombre d'embryons utilisés et détruits va diminuer, et à terme, le bénéfice pour les enfants futurs devrait se révéler considérable. Mais on peut poser la question, est-ce que le sacrifice d'embryons humains est-il justifié, même pour, dans l'optique de ses bonnes conséquences ? Il y a aussi une seconde raison médicale de pousser la recherche sur les embryons humains, qui est l'inquiétude suscitée par des risques particulièrement élevés lorsque les changements induits sont irréversibles, ce qui est le cas lorsqu'on intervient sur l'embryon, en tout cas l'embryon qui comporte qu'une seule cellule, le zygote. Cela reste vrai même si, après coup, on a peut-être toujours des moyens thérapeutiques pour pallier les effets indésirables de changements irréversibles qui tourneraient mal. Et il faut relever, je crois qu'il faut l'accepter aussi, qu'il y a nécessairement une certaine prise de risque dans les techniques d'assistance médicale à la procréation. On l'a vu dès le début, notamment lorsque la fécondation in vitro a été mise au point. Si heureusement dans ce cas-là, rien de grave n'est apparu chez les millions d'enfants nés à la suite d'une FIV, cela n'empêche pas qu'il faut être très prudent et pousser des recherches avant de passer au niveau clinique, et beaucoup d'auteurs pensent qu'actuellement on n'a pas encore fait suffisamment de recherches pour passer vraiment au stade clinique. Ça, c'est la question des risques. Outre la question des risques, bien sûr, sur le plan éthique, il y a une deuxième grande question, c'est de savoir si par ces techniques-là, on ne risque pas de causer des dommages ou de causer des préjudices aux différentes parties impliquées, que ce soit les parents, si jamais ça tourne mal, ou les embryons, voire même à la société ou à l'espèce humaine. Vous vous souvenez, en France, lors du débat sur le clonage, il avait été parlé d'un crime contre l'espèce humaine. Voilà, donc certains imaginent qu'effectivement, modifier l'embryon a des conséquences qui vont bien au-delà de l'embryon lui-même et de ses parents. D'autres aussi sont inquiets concernant la notion de la parentalité, puisque les parents normaux, si j'ose dire, le père et la mère qui font un enfant, évidemment, dans ces domaines-là, la parentalité peut être remise en question. Si on a parlé d'enfants à trois parents, c'est bien parce que certains pensent qu'il y a là un problème. Tout le monde, là aussi, le débat va continuer parce que certains estiment qu'il n'est pas judicieux de considérer la parentalité uniquement sur le plan génétique, mais qu'il y a un plan psychosocial lié au projet parental qui est plus important. Bref, vous voyez, donc ceci ouvre la question donc de la thérapie embryonnaire ouvre de vastes questions qui sont souvent des questions relativement anciennes, bien entendu, le statut de l'embryon, le préjudice qu'on pourrait faire à l'embryon, aux enfants futurs, aux générations futures, etc. Tout ceci va être débattu par les membres de la table ronde, mais comme vous voyez, j'entends, c'est plus vraiment de la science-fiction. Il y a déjà des thérapies embryonnaires utilisables qui ont été utilisées peut-être trop rapidement, ça on peut en discuter. Et jusqu'à maintenant, les enfants semblent se porter bien. Voilà, alors voilà donc le sujet de cette table ronde. Alors pour en débattre, j'ai eu le plaisir et le privilège de pouvoir réunir quatre personnes qui s'y connaissent fort bien et qui parleront, je vais les présenter dans l'ordre où ils vont parler. La première sera Julie Stéphane, qui est professeure de génétique à l'Université Paris-Descartes et praticien hospitalier dans le service de génétique de l'hôpital Necker Enfants Malades. Elle est responsable du diagnostic préimplantatoire aussi, qui est mobilisée dans ces techniques-là. Et pour les maladies donc génétiques humaines, membre de l'équipe maladies mitochondriales au sein de l'Institut Imagine, elle poursuit ses recherches
sur l'embryon humain, et elle est une des personnes qui est à la pointe de la recherche sur la triploïdie et les maladies mitochondriales, et je remercie vraiment d'être venue. Elle aura d'ailleurs, ce qui est exceptionnel dans, au forum, elle projettera quelques diapos, parce qu'effectivement c'est très difficile de présenter une recherche sans avoir quelques images qui servent de support à la pensée. La deuxième personne donc sera Anne-Sophie Lapointe, que je remercie aussi, qui elle représente les associations de patients. Elle a elle-même, comme vous pouvez le lire dans sa biographie, mais je la résume rapidement, deux enfants qui ont été atteints de maladies rares, les maladies de Hunter, et donc elle est très active dans les associations, notamment l'association Vaincre les maladies lysosomales, dont elle a été présidente pendant 6 ans. Elle est donc investie dans le champ des maladies rares, qui englobe 6 à 8000 maladies. On ne se rend pas compte puisqu'elles sont rares, hein, mais si on additionne les personnes affectées, c'est un nombre non négligeable d'êtres humains qui souffrent de ces maladies-là. Elle est aussi membre de mouvements européens, enfin, qui militent tous en faveur d'une meilleure prise en charge par la médecine et la recherche des maladies rares et des maladies génétiques. Donc elle présentera le point de vue de ces associations et de leurs attentes. Bertrand Kiefer, ici, à ma gauche, qui est un compatriote que je connais depuis longtemps, qui a donc un docteur en médecine, qui est médecin, mais qui est aussi docteur en théologie. Et il a fait son doctorat de théologie à Fribourg, en Suisse. Il est rédacteur de la revue Médicale Suisse, qui est la grande revue, qui n'est pas grand public, mais qui est pour les spécialistes, mais qui est compréhensible par tout public cultivé en Suisse, dans Revue Médicale Suisse, et directeur des éditions scientifiques de médecine et hygiène. En Suisse, il était membre pendant 12 ans de la Commission nationale d'éthique dans le domaine humain, et est l'auteur d'un nombre très important d'éditoriaux et d'articles dans les revues qu'il dirige et dans d'autres revues. Bertrand Kiefer nous parlera bien entendu des aspects éthiques de la question et peut-être fera quelques allusions au débat qui a eu lieu en Suisse, qui est un peu différent du débat français, mais qui en définitive peut être intéressant de faire des contrastes. Mais enfin, il sera complètement libre de sa parole, comme tout le monde ici. Et enfin, Vincent à ma droite, Vincent Grégoire Delory, qui est maître de conférence et directeur de l'École supérieure d'éthique des sciences de la santé à l'Institut catholique de Toulouse, responsable aussi de la plateforme éthique du consortium Toulouse-Wide Biotechnology, membre du conseil d'orientation de l'espace de réflexion éthique d'Occitanie. Il est, bien sûr, il s'occupe beaucoup d'éthique, mais comme on ne s'en rend pas compte, il est physicien de formation et fait partie des scientifiques qui se sont tournés vers l'éthique et donc qui vont pouvoir apporter leur éclairage là-dessus. Vincent étant très intéressé par ailleurs à tout ce qui concerne les biotechnologies, il élargira sans doute le propos à d'autres biotechnologies, mais là encore, sa liberté reste entière. Donc je vous remercie tous d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Je vais maintenant vous donner la parole, où en une dizaine de minutes, pas plus, vous allez présenter votre point de vue. Ensuite, on va voir, en fonction du temps qui reste, peut-être commencer une petite discussion entre nous, mais il y aura 3 bons quarts d'heure de discussion avec la salle, comme d'habitude, donc nous vous passerons la parole par la suite. Voilà, donc Julie, je vous passe la parole. Merci beaucoup, merci aux organisateurs de me donner l'occasion de présenter donc notre projet de recherche sur l'embryon humain. Je vais lancer le PowerPoint. Vous pouvez le mettre. Et donc les diapositives pour vous présenter quelle est l'aventure aujourd'hui de la recherche sur l'embryon en France. Donc nous, on s'intéresse dans le laboratoire à des maladies qu'on appelle des cytopathies mitochondriales, qui sont des maladies qui sont relativement fréquentes, qui peuvent toucher globalement un peu tous les tissus chez les humains. Vous voyez des atteintes du nerf, des atteintes neurosensorielles, des atteintes des cellules musculaires, des cellules cardiaques, des atteintes endocriniennes, des atteintes du foie, des atteintes du rein. Et donc toutes sortes d'organes peuvent être touchés, avec une mise en jeu parfois du pronostic vital à court terme des enfants malades. Ces maladies, elles sont donc complexes sur le plan clinique, mais elles sont aussi complexes sur le plan génétique,
puisque vous pouvez avoir des maladies qui suivent des transmissions mendéliennes classiques, mais également des maladies qui sont causées par des mutations de l'ADN mitochondrial. Et l'ADN mitochondrial, il a cette particularité d'être transmis que par les mères des enfants. Il n'y a pas de traitement pour ces maladies, et donc aujourd'hui, notre équipe essaie de développer des possibilités pour prévenir la transmission transgénérationnelle de ces maladies. Et ces préventions, ces méthodes de prévention, elles sont compliquées parce que la génétique de la mitochondrie est compliquée. Elle est compliquée parce que pour faire une mitochondrie, il vous faut à la fois des protéines qui vont être codées par le génome nucléaire, mais également des protéines qui vont être codées par le génome mitochondrial. Et donc à un moment dans la cellule, lorsque la cellule va vouloir faire une mitochondrie, il va falloir que ces deux génomes se parlent. Et c'est ce qu'on appelle le dialogue nucléo-cytoplasmique, qui n'est pas bien connu aujourd'hui, mais qui vraisemblablement existe, puisque nous avons des mitochondries fonctionnelles dans nos cellules. Lorsque une patiente porte une mutation de l'ADN mitochondrial, cette mutation, elle est très souvent présente en coexistence avec de l'ADN mitochondrial sauvage, et donc on définit cet état de mixité ADN mitochondrial sauvage et mutant comme un état hétéroplasmique, c'est-à-dire que coexistent donc ces deux mitochondries mutées et sauvages dans une même cellule. Et plus un patient va avoir de mitochondries mutées, plus son risque d'être malade et d'être malade dans une forme sévère va augmenter. Et toutes les méthodes de prévention relativement classiques vont consister à mesurer chez les enfants de ces patients, donc chez leur fœtus ou leur embryon, quel est le taux de mitochondries mutées transmis pour essayer de prédire si l'enfant va être atteint d'une forme sévère de la maladie. Alors aujourd'hui, ces patientes qui portent des mutations de l'ADN mitochondrial, elles ont quoi comme option pour essayer d'avoir des enfants qui vont bien ? Elles ont la possibilité de faire des dons d'ovocytes ou dons d'embryons. Elles ont la possibilité de faire du diagnostic prénatal ou préimplantatoire, donc qui consiste à mesurer donc le taux de mutation sur une cellule ou sur un tissu fœtal, pour prédire le risque que cet embryon ou ce fœtus soit malade. Mais aujourd'hui, ces techniques, elles ont quand même des limites. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, il y a un risque élevé d'interruption de grossesse. Elles ont un risque élevé, en fait, d'avoir un enfant atteint. Il y a un risque élevé de ne pas avoir d'embryon transférable au moment du DPI, parce que tous les embryons vont porter des taux élevés de mutation. Et puis, lorsque elles passent la mutation à leur enfant, les enfants portent des mitochondries mutées, certes à un taux faible, néanmoins ça pose quand même la question du devenir de ces enfants. Et puis c'est une option, ces options elles ne sont pas applicables aux patientes qui n'ont que des mitochondries mutées, ce qui arrive parfois. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'il y a des équipes qui développent dans le monde ce qu'on appelle le transfert nucléaire ou don de mitochondries que M. Bertschy vous a présenté. Donc le don de mitochondries, c'est quoi ? C'est ça. Ça revient à prendre donc des embryons ou des ovocytes de patientes qui portent ici des mitochondries mutées, d'extraire les noyaux de cette cellule, noyaux qui contiennent donc nos chromosomes, et de transférer ces noyaux dans une cellule donneuse de cytoplasme qui a elle-même été préalablement énucléée. Donc vous avez besoin donc d'un embryon parental et d'un embryon donneur pour faire ce transfert. Un des problèmes est que au moment où vous transférez ici les noyaux, vous amenez un petit peu de mitochondries mutées. Vous ne pouvez pas vous débarrasser complètement des mitochondries mutées de la patiente. Et cette coexistence de mitochondries mutées et sauvages dans l'embryon pose la question du risque à long terme pour cet embryon de développer différentes pathologies. Donc nous, on a les pionniers dans cette histoire sont l'équipe anglaise de Madame Craven, qui a publié en 2010 les premières expériences de transfert de pronoyaux sur des zygotes, c'est-à-dire donc des embryons juste après la fécondation,
Ils ont testé 80 zygotes pour lesquels ils ont fait ces échanges de noyaux. Vous voyez que très peu de ces zygotes ont survécu, puisque seulement 8% des zygotes ont atteint le cinquième jour de vie. Et lorsqu'ils ont mesuré le taux de mutation résiduelle dans les embryons, vous voyez que globalement, la technique était quand même très efficace, puisqu'ils avaient un taux résiduel d'ADN mitochondrial variant de 2%. Donc les mitochondries rouges étaient devenues quand même très largement minoritaires. Et puis, la question aujourd'hui reste celle du risque lié à ces pathologies, puisqu'ils ont montré la faisabilité. Et nous, on s'intéresse notamment à la perturbation possible du dialogue entre le noyau et la mitochondrie, puisque je vous ai dit, pour faire une mitochondrie fonctionnelle, il faut qu'à un moment, les deux génomes se parlent. Et le fait d'amener des mitochondries d'une exotique dans la cellule peut potentiellement altérer ce dialogue. Donc notre projet, il n'est pas très différent finalement, c'est d'utiliser aussi des zygotes anormaux, zygotes donc à trois pronoyaux, qui ne sont pas utilisables dans le cadre de fécondation in vitro, puisque c'est des embryons qui ont trois paires de chromosomes, donc ils vont pas évoluer. Donc d'utiliser des zygotes à trois pronoyaux donnés à la recherche, soit dans le cadre de contrôle, il y a ce qu'on a appelé les embryons auto-traités, c'est-à-dire qu'on retire les trois pronoyaux et on n'en remet que deux, ou alors des embryons non traités, c'est-à-dire que là, dans ce cas, on ne retire qu'un seul des pronoyaux et on les laisse se développer in vitro pendant 6 jours, et au bout de 6 jours, on extrait non pas l'ADN, mais le produit d'expression des gènes, qu'on appelle l'ARN messager, et qu'on peut mesurer par des techniques qu'on appelle transcriptome. Et l'idée, c'est donc de mesurer l'expression génique, et en particulier des gènes qui servent à faire la mitochondrie, dans des embryons ici témoins par rapport à des embryons traités pour lesquels on a échangé les pronoyaux, avec ici donc les pronoyaux de la cellule bleue qui sont mis en contact avec le cytoplasme de la cellule rose. Voilà. Et donc on échange les pronoyaux. Là aussi, on les laisse développer 6 jours et on extrait le matériel d'expression génique et on mesure les quantités d'expression génique dans les embryons. L'idée est de comparer et de voir si ces techniques d'échange peuvent perturber l'expression génique dans l'embryon précoce. Alors, ce projet, il est quand même très compliqué. Il est compliqué, bien sûr, sur le plan technique, parce que avoir des embryons anormaux avec trois pronucléides donnés à la recherche, c'est du matériel qui est quand même pas relativement exceptionnel. Donc, ça pose un certain nombre de contraintes techniques. Faire les techniques de transfert de pronoyaux, là aussi, c'est pas extrêmement simple. Et puis après, il faut avoir des embryons au sixième jour de vie pour pouvoir mesurer l'expression génique. Mais c'est surtout les difficultés juridiques auxquelles nous nous sommes heurtés. Aujourd'hui, en France, pour faire de la recherche sur l'embryon, vous devez avoir une autorisation délivrée par l'Agence de biomédecine. Donc, nous avons déposé le projet en septembre 2015. En décembre 2015, on nous a demandé des pièces complémentaires. Finalement, le projet est autorisé en mai 2016. Mai 2016, la publication au journal officiel a été faite en octobre. C'est pour vous donner une idée des délais quand même qui sont assez importants, alors qu'en recherche, on sait la contrainte du temps. Et puis, ce projet, comme la quasi-totalité des projets autorisés en France, a fait l'objet d'un recours par la Fondation Le Jeune devant le tribunal administratif en décembre 2016, parce que vous savez, vous ne savez pas, dans la loi française, la création d'embryons est interdite, et donc ils considèrent qu'à partir du moment où on insère un noyau dans un embryon, c'est une création d'embryon. Parce que la création d'embryons transgéniques est interdite et que le fait d'échanger du cytoplasme est considéré par la Fondation Le Jeune comme des embryons transgéniques. Et puis même, ils disent que l'objet de nos travaux de recherche est de faire du clonage. Donc vous voyez la fragilité de la loi française dans l'interprétation d'un contexte éthique qui est de toute façon extrêmement tendu. Donc le tribunal administratif nous a quand même donné raison, et puis aujourd'hui il y a un appel de la Fondation Le Jeune qui est en cours.
Voilà, donc bien sûr, cette instabilité juridique, elle ne favorise pas le financement. Vous pouvez imaginer que nous avons un financement associatif pour une durée de 1 an. Les associations de patients, ils ne sont pas très favorables à financer des projets qui sont par essence extrêmement instables. Et puis, c'est difficile de recruter des étudiants sur des projets qui, là aussi, sont instables. Et je finirai par dire que la deuxième façon d'interdire la recherche, c'est de ne pas la financer. Voilà. Donc, je voulais remercier, bien sûr, les personnes qui sont impliquées avec moi dans ce projet, en particulier l'équipe de Nelly Friedman de l'hôpital Antoine Béclair à Clamart. Et je laisse la parole au suivant. Merci. Merci, Julie. Vous voyez... Oui. Vous avez pu, je crois, par cette présentation, vous faire une idée de la difficulté de la recherche et de ses enjeux, dont on ne se rend souvent pas compte quand on lit la presse quotidienne. Il est intéressant aussi de montrer que, par le recours de la Fondation Le Jeune, non seulement des questions éthiques classiques ont été soulevées, mais en même temps, ça pose la question du rôle du juridique par rapport à la recherche en général. Certains diront de l'utilisation obstructive du juridique, mais bon, je ne veux pas prendre position dans le débat. Peut-être qu'on en parlera, ça dépendra aussi de vos questions. Mais pour l'instant, je passe la parole donc à Anne-Sophie Lapointe, qui représente, c'est peut-être pas le mot, mais enfin en tout cas qui est active dans les associations de patients. Merci Bernard, bonjour. J'ai aussi une double casquette quand même, associative et puis recherche, avec une thèse en éthique de la santé, et je travaille à l'Institut Imagine également pour cette partie-là. Donc je voulais simplement, le sujet paraissait simple quand on voit le titre, soigner plutôt que détruire, on se dit la réponse est facile et forcément on se dit que bien sûr il faut soigner. Mais en fait on a déjà eu un aperçu avec Bernard et Julie de la complexité du sujet, ce n'est pas si simple et moi je vais me poser là aujourd'hui du côté je dirais associatif de ce que moi je sens. Sachant que ce n'est pas encore un sujet, je dirais, qui est pris en main par l'ensemble des partenaires associatifs, et ça reste encore assez confidentiel, toutes ces questions autour du genome editing. Il y a des choses qui sont sorties dans la presse, mais je dirais que le passage à une prise de conscience argumentée au sein des associations en France n'a pas encore été jusqu'à ce niveau-là. Et puis, en introduction, je voudrais simplement, à chaque fois qu'on se pose aussi la question de l'utilité, toujours de la recherche, il faut toujours quand même revenir à ça, et la question aussi de se dire, par rapport à ces techniques nouvelles, on est aussi dans un contexte où il existe d'autres techniques également par rapport au diagnostic préimplantatoire ou le diagnostic prénatal, et je pense que c'est intéressant de pouvoir voir aussi cette technique de genome editing ou de traiter l'embryon aussi dans un contexte plus large de ce qui existe aussi dans d'autres propositions. Donc c'est pas seul, donc c'est quelque chose de complexe. Et Bernard m'avait demandé de parler un peu de la bienfaisance. Ça fait un peu un gros mot, mais moi depuis toujours la bienfaisance je la ramène à l'information et la formation, et donc je voulais partir là-dessus. Informer pour qui, ou en tous les cas par qui, cette information. Je dirais que les associations anglaises ont déjà commencé, elles, un travail. Génétique Alliance a fait tout un travail auprès de ses adhérents pour savoir ce qu'elles entendaient par rapport à ces nouvelles techniques, je dirais, du génome, du génome editing et de la méthode CRISPR-Cas9, etc. Donc elle s'est emparée. On a du côté des associations, moi je vois de mon côté travail des associations qui sont dans des maladies génétiques ultra rares, une notamment qui s'appelle FOXG1, qui est toute petite, très très peu de malades, mais aux États-Unis ils ont déjà toute une communication avec des vidéos très bien faites sur les ciseaux moléculaires, sur ces techniques.
et elles sont très proactives pour pouvoir utiliser ces techniques de génome editing. Elles ont très envie. Alors, face à ça, je me pose la question toujours de comment, face à des familles à qui on annonce un diagnostic d'une maladie terrible, non traitable, comment informer, comment les accompagner. Et c'est vrai que ce que j'ai pu voir de mon expérience associative, c'est que du côté de la recherche, il y a un désir énorme. C'est-à-dire qu'on pense, en tous les cas au début du diagnostic, que la recherche va rapidement transformer son quotidien et va pouvoir guérir son enfant. Et je crois qu'il y a à accompagner cet espoir, cette espérance, avec des familles qui sont très proactives, mais qui ne vont parfois ne voir, avoir une lecture que sur un bénéfice qui serait direct tout de suite pour leur enfant, alors qu'il faut, je dirais, se mettre dans une démarche de beaucoup plus long terme. Donc je crois qu'il y a un langage de vérité dans l'information à dire aussi pour nous, familles, sur la réalité de ces techniques, sur leur potentialité. Je pense que c'est important d'avoir ça pour pouvoir poser les justes choix. Au niveau de cette information, les professionnels de santé, les chercheurs, les associations ont un rôle pour être des vecteurs de transmission de cette information. Et c'est là où, dans cette bienfaisance, je viens dans mon deuxième angle, qui est celui de la formation. Je crois que cette formation à la recherche est très importante. On a cette dichotomie entre le soin et la recherche. D'un côté, on a besoin d'avancer avec cette recherche. Les travaux de Julie le montrent. On a besoin de connaître. On va avoir, on espère pouvoir un jour passer dans l'état de la mettre en application dans le soin. Et il y a, je dirais, une accélération des techniques, une accélération de l'information sur ces nouvelles techniques via les réseaux sociaux et tout le monde y participe. Mais derrière, est-ce que la formation arrive assez suffisamment vite pour pouvoir accompagner l'essor de ces nouvelles techniques? Donc formation, je dirais, des professionnels aussi, des chercheurs également, des médecins pour pouvoir parler sur ces techniques, et formation aussi des associations. Et dans la salle, il y a un acteur majeur à l'INSERM qui a mis en place le séminaire Katie Schwartz, toute la mission INSERM Association, le GRAM. L'INSERM a aussi un très grand rôle de vecteur de transmission, de formation des associations de malades. Donc ça, moi, j'y tiens énormément et j'avoue avoir un biais là-dessus, parce que je suis persuadée de leur rôle fondamental. Donc il faut vraiment avoir cette notion de formation, parce qu'on a quelque chose qui arrive, qui se développe, qui s'appelle un peu on y réfléchit au comité d'éthique de l'INSERM, qui est le direct to consumer. C'est le fait que de plus en plus on aurait une recherche qui va directement vers la personne, en squeezant un peu, je dirais, le médecin, le chercheur au milieu. Enfin, il y a quelque chose qui va de plus en plus vite. Et donc, comment on fait pour accompagner tout le monde? Et je pense, en conclusion, c'est comment aujourd'hui on peut anticiper le futur, comment aujourd'hui on peut mettre en place la réflexion de demain. Et je crois que c'est pas demain qu'il faut réfléchir, mais c'est maintenant. Donc c'est pour ça que ce forum de bioéthique est complètement est au cœur de cette réflexion. Évidemment, traiter l'embryon, on a besoin de garde-fous. On a besoin, je dirais, qu'en parallèle, on voit qu'il y a une singularité de la personne qu'on pourrait mettre face à une singularité de l'embryon qui existe. Traiter l'embryon est une bonne chose pour lui, forcément. Ensuite, par rapport à cette singularité de la personne, on va pouvoir se dire que comment on forme toutes ces personnes au bien commun, ces citoyens, par rapport à ces nouveaux sujets. Donc vraiment ce sujet de la formation. Et par rapport à ces réflexions autour du génome editing, c'est aussi la question du politique. Et comment on forme le politique, parce qu'après, les lois de bioéthique, c'est le politique qui va les mettre en place. Et comment on va également former le politique à ces questions qui sont clés. Et je crois que la société civile, et vous êtes complètement la société civile, a un rôle clé dans cette réflexion. Et pour cela, on a besoin de se nourrir les uns des autres, parce que ce sujet est trop important pour qu'on le laisse qu'à des spécialistes, mais il a besoin d'être pris en compte par tout le monde, avec tous nos avis et tous nos composantes et notre ADN. Voilà. Merci Anne-Sophie. Enfin, vous avez vu effectivement que
de la part des parents d'enfants malades. Il y a une attente importante vis-à-vis de la science. Et souvent, comme quand on est malade, une attente, je dirais, urgente, une sorte d'urgence, et qui ne cadre pas forcément bien avec la lenteur des processus de recherche, qui, comme nous l'a dit Julie, sont parfois pas aidés par... On a parlé du juridique, mais Anne-Sophie a parlé du politique aussi. Hier, je crois, Madame Lepage avait souligné que beaucoup de politiques sont pas très au courant de toute cette recherche. Et je pense qu'Anne-Sophie a raison de dire, ça fait partie aussi de notre rôle de citoyens, de les renseigner et de pousser le débat sur ces questions-là et de montrer aussi, outre effectivement les nécessaires barrières morales, éthiques ou du moins difficultés éthiques, mais de montrer tout le potentiel de bienfaits pour des gens qui sont malades. Il ne s'agit pas de faire du transhumanisme ou d'améliorer l'être humain, pour des gens qui sont déjà malades et pour donc faire diminuer la souffrance humaine, ce qui est quand même un des rôles qu'on attend du politique. Bien, nous allons passer donc maintenant la parole à deux personnes qui sont d'une certaine manière des éthiciens professionnels, mais c'est vraiment un terme mal choisi, puisque d'abord on n'est pas professionnel et d'abord il n'y a pas besoin d'être professionnel pour faire de l'éthique. Hein. Voilà, j'éviterai de m'enferrer plus longtemps dans un discours dont je ne vois moi-même pas l'issue, et je vais passer la parole à Bertrand Kiefer pour qu'il nous donne ses réflexions sur ce sujet-là. Merci beaucoup, merci aux organisateurs, merci Bernard. Ce qui m'apparaît, moi, c'est vraiment intéressant d'avoir ce débat-là, parce que ça reste un sujet confidentiel pour le moment dans la communauté scientifique, se traiter plutôt qu'éliminer. Et pourtant, c'est une démarche qui semble aller dans le trend de la mode, de plus en plus préventif, agir le plus tôt possible. C'est vraiment tout à fait ça. En même temps aussi, il y a nettement une espèce d'élégance éthique dans le fait de traiter plutôt que d'éliminer. C'est sûr, éliminer, c'est quand même pas une chose qui est satisfaisante en elle-même. Et en même temps aussi, on crée une asymétrie, parce que lorsqu'on élimine un embryon, il ne va pas y avoir d'existence derrière. Tandis que lorsqu'on traite, tout d'un coup, apparaissent énormément de responsabilités par rapport à l'individu qui va naître et vivre ensuite. Donc il y a un champ de responsabilité qui s'ouvre, et sur ce plan-là, c'est beaucoup plus simple d'éliminer, et ça n'est en tout cas pas symétrique. Et des responsabilités en particulier pour les parents. L'autre question, puisque Bernard m'a demandé de parler un peu de la Suisse, en Suisse, on s'est beaucoup pris la tête. Après ça, en Suisse, ce serait interdit, hein, ces recherches sur l'embryon dans ce cadre-là. Mais on s'est beaucoup pris la tête en 2015-2016, pour autoriser, maintenant c'est fait, le diagnostic préimplantatoire. Les réflexions ont été ardues. On a voté pour introduire la possibilité dans la Constitution. Ensuite, on a voté pour la loi. Et c'est vrai que parmi les difficultés, on voit ce qui émerge dans le souci politique, c'est quand même celui de définir les pathologies. Dans les cas qui sont présentés là, les deux cas pour le moment où il y a des actions, c'est très clair. Il y a une maladie grave en aval avec une très grande souffrance des personnes qui en sont issues. Donc ça, d'ailleurs, nous, à un moment, on nous a demandé d'établir un catalogue de maladies graves. Et on s'est totalement refusé à ça. Après, définir une maladie grave, dans la loi suisse, par exemple, pour le diagnostic préimplantatoire, la maladie doit être donc grave, incurable et susceptible de se développer avant 50 ans. Vous voyez, encore ça. Donc une maladie qui arriverait tard, au fond, qui deviendrait une espèce anti-âge, thérapie anti-âge de le faire, ce serait pas permis. Mais ça m'a frappé en lisant l'enquête publiée par Le Point, je crois, en particulier autour de la journée qui est ici, c'est l'évolution de l'esprit de la population. Une grande partie de la population, 88% je crois des gens, 80% des gens sont d'accord qu'on active une thérapie génique, en gros c'est ça, s'il y a une maladie grave. En cas d'anomalie génétique, chez moi on dit 77%, mais 77% des gens sont d'accord. Le problème, il est majeur, parce que qu'est-ce que c'est qu'une anomalie génétique? Nous avons tous des anomalies, c'est-à-dire des erreurs par rapport à la norme. Comme dirait Georges Canguilhem, la vie est entourée autour de l'erreur. C'est ce qui fait qu'il y a de la diversité, qu'il y a de l'évolution, qu'il y a de l'intérêt aussi dans nos existences. Mais en même temps, je ne parle pas là des maladies rares qui sont, encore une fois, des souffrances. C'est très très complexe la question. Mais ce qui m'a aussi frappé, c'est qu'il y a 42% qui ne sont pas tout à fait opposés au fait qu'on améliore.
Et il faut voir hein, qu'on améliore, en tout cas qu'on sélectionne des caractéristiques, des susceptibilités, contre la susceptibilité à l'obésité, pour telle ou telle autre caractéristique qui pourrait être intéressante ou désintéressante. Et on est dans une époque, en particulier à cause de la médecine personnalisée ou médecine de précision, vous savez, l'analyse du génome et toutes sortes d'autres choses, où ce qui est en train de disparaître, c'est la notion claire de maladie. Hein. Il y a une espèce de continuum entre la santé, la maladie et même l'amélioration. Chez tout le monde, lorsqu'on analyse l'ensemble des données, on voit des prémices de maladie, des facteurs de risque. Et lorsqu'on agit, souvent en médecine, même en faisant de la prévention, en fait, on fait justement une espèce d'amélioration parce qu'on veut augmenter l'âge. Alors, ce n'est pas une cause, ça, lorsqu'on parle de ces deux cas-là. Mais c'est vrai que c'est derrière, hein, c'est quand même dans l'arrière-fond des discussions, comment définir une maladie. C'est quoi le normal, c'est quoi le pathologique? Parce que, encore une fois, s'il y a bien une chose dont je suis persuadé, c'est qu'on va aller vers davantage d'activité dans ce qui se dessine là maintenant, guérir, soigner plutôt, parce que guérir là aussi c'est un peu un vieux concept, soigner plutôt que détruire. Oui, c'est bien mieux au plan éthique. Alors maintenant, les questions un peu plus propres à ces techniques, encore qu'elles ne soient pas du tout si propres que ça, mais d'abord la question du risque, c'est extrêmement difficile à évaluer quel est le risque pour les embryons qu'on traite et donc pour les individus futurs. Il faudrait que cette thérapie soit d'une efficacité prouvée pour que ce soit vraiment bien au plan éthique. C'est impossible, en particulier on ne peut pas prouver à l'avance que dans la vie adulte ne vont pas survenir des problèmes. Et on voit donc qu'il y a un certain risque, et dans la médecine adulte, lorsqu'il y a un risque de ce genre, on en parle au patient et on veut son consentement éclairé. Alors là, évidemment, la première chose, c'est d'avoir le consentement des parents lorsqu'on présente l'ensemble des incertitudes. Mais le consentement que nous n'avons pas, c'est le consentement de l'enfant et de l'individu futur. Donc, il s'agit de présumer ce consentement. Raisonnablement présumer qu'il serait d'accord qu'on lui ait fait ça. Évidemment, la question après, c'est ce que je disais avant, cette espèce de vertige existentiel, c'est que l'autre option aurait été qu'il n'existe pas. Ça veut dire quoi pour quelqu'un? On dit on t'a fait ça et tu es là avec quelques problèmes, mais la seule autre option, ça aurait été que tu n'existes pas. C'est très étrange. D'ailleurs, on voit à quel point les technologies modernes, en particulier sur l'embryon, les biotechnologies, posent des questions anthropologiques. C'est quoi un être humain? C'est quoi la vie? Qu'il faut réinvestir à nouveau frais. Mais c'est bien qu'il les pose. Ensuite, il y a des questions. Oui, je voulais juste dire encore au niveau du risque. Dans nos pays, on commence à faire de la recherche là-dessus. Dans d'autres pays comme la Chine ou ailleurs, ils avancent, ils bougent, et ils ont peu d'encombrement éthique. Mais comme démocratie, on a le devoir de ne pas se dire on va rien faire parce qu'on veut être propre absolument. Je ne dis pas qu'il faut faire comme les Chinois, mais on a le devoir aussi de faire de la recherche sur ce qui va nous profiter après. C'est un peu trop facile d'attendre que les autres bougent et de récupérer ensuite les progrès. Il y a aussi des questions, alors, par exemple, par rapport aux dons et aux transplantations de mitochondries, des questions liées à l'identité de la personne. C'est vrai, parce qu'il y a une espèce d'hybridation, et qu'est-ce qui se passe là? Il y a par ça aussi une possibilité de don, c'est intéressant. Chaque fois que nous, les humains, on peut s'aider les uns les autres, comment ça renforce aussi le don. Mais juste encore pour dire, au niveau des droits de l'enfant et du consentement présumé de l'enfant, on n'est pas dans des droits au sens classique, hein, c'est pas au sens de la Convention des droits de l'enfant des Nations Unies, parce qu'il n'y a pas encore de personnes au sens de personnes juridiques. On ne peut pas parler d'intérêt supérieur de l'enfant, mais encore une fois, c'est assez nouveau de se poser des questions dans le sens de quelle serait son attitude et quelle sera son attitude supposée raisonnablement lorsqu'il sera adulte. Et c'est évidemment une responsabilité pour les parents, parce que pour les parents, il s'agit que le futur adulte ne se retourne pas contre les parents en leur disant « comment avez-vous pu accepter ?» qu'on me fasse ce traitement. Ce n'est pas du tout une question simple. Et donc vraiment, on met aussi là un poids sur les épaules des parents et il faut les aider. Il faut les aider certainement parce que c'est bien que tout ça avance. Juste encore un mot sur les questions du futur. Encore une fois, je l'ai dit, on va certainement vers davantage de pratiques
préventive et sur l'embryon, c'est un bien jusqu'où? Parce que même après la question du normal et du pathologique, lorsqu'on pense qu'aux maladies graves, aux maladies qui ensuite, on le sait, donneront des douleurs extrêmement importantes chez les personnes qui en sont touchées, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va vraiment, après je crois le prochain orateur va parler de CRISPR-Cas9, mais il y a d'autres choses, justement, j'ai parlé d'hybridation, on peut hybrider l'embryon avec des cellules souches embryonnaires, d'autres embryons normaux, avec là encore un don. Évidemment, on voit bien que dans certains pays, on commence même à mélanger avec des cellules souches d'animaux, je ne crois pas qu'il y ait une visée thérapeutique là-dedans. Bernard Berchi a parlé de la question de la thérapie germinale, qui reste quand même une question qui est ouverte. Mais on peut encore imaginer l'hybridation avec des technologies ou des machines. Enfin, énormément de choses. On peut aussi imaginer, plutôt que d'analyser seulement le génome chez les embryons avant d'agir sur eux, d'analyser leur protéome, leur métabolome, de voir différents types de pathologies à ce niveau-là et peut-être différents types d'actions qui, pour le moment, nous restent invisibles. Mais ce qui est sûr, c'est que tout évolue. C'est une espèce de coévolution entre la recherche et la société et les mœurs. On le voit encore une fois dans le sondage de Lacroix. Et c'est bien que tout ça coévolue. Ce qui est le plus important, c'est que ça coévolue avec un investissement démocratique et une réflexion sur les valeurs en jeu, ce qu'est la personne et ce qu'est l'éthique. Voilà. Merci. Bien, merci Bertrand pour avoir ouvert toute cette série de questions et de problèmes, je pense, auxquels nous n'aurons pas aujourd'hui la prétention de répondre, même si Vincent va sans doute aller un peu plus loin encore. Ce que j'aimerais juste souligner, parce que c'est un peu mon côté philosophe qui ressort, c'est cette question un peu abyssale de l'impossibilité d'obtenir un consentement d'un être qui n'existe pas vraiment encore et pour lequel la seule alternative, c'est ne pas exister ou exister en ayant été soigné et avoir des risques pour la suite. C'est ce que les philosophes ont appelé le paradoxe de la non-existence. C'est-à-dire de dire, si la seule alternative, c'est de ne pas exister, ça veut dire quoi? Une vie qui vaut encore la peine d'être vécue. Alors, c'est une question effectivement assez abyssale et dont on peut faire sortir immédiatement énormément de paradoxes. Je ne vais pas la poursuivre. Je vais simplement la souligner et passer la parole à Vincent pour une poursuite de notre réflexion. Merci, cher collègue Helvète. Merci pour cette invitation, c'est toujours un grand, grand plaisir de venir à Strasbourg et participer à ce forum vraiment très, très intéressant. Alors, quand Bernard m'a proposé de venir parler de l'embryon, je me suis dit, alors là, c'est une question, je crois, une des plus difficiles, une des plus délicates, car l'embryon, me semble-t-il, pose la question du devenir. Et le devenir en philosophie, c'est pas gagné. C'est pas une question simple. Le devenir, on le retrouve, vous savez d'ailleurs, je crois que tu as dit tout à l'heure, tu as osé me dénoncer comme physicien, alors je vais assumer. Le devenir, on l'a depuis, je dirais, au fond de nous-mêmes, mais pas que parce que nous sommes vivants, uniquement parce que nous sommes matériels. Vous savez, nous avons tous entendu parler de ce fameux événement du Big Bang que l'abbé Lemaître appelait jadis l'œuf cosmique, tiens, œuf, embryon. L'œuf cosmique qui fait que finalement cet univers, vous imaginez, est-ce qu'il y a pu avoir un espace vide au sein duquel il y aurait eu des fluctuations qui auraient abouti à une singularité, pouf, ça explose. C'est impensable. Et pourtant, nous pensons que ça a existé, que c'est devenu, et cet univers est en devenir, il devient, nous avons en nous des atomes fabriqués au fond d'une étoile, au cœur d'une étoile qui est morte voici plusieurs milliards d'années. Ces atomes nous constituent et nous devenons à tous les niveaux, que ce soit nos atomes, que ce soit notre corps qui va mourir et que ce soit notre humanité qui se construit. Ainsi, devenir, c'est extrêmement intéressant parce que à quoi nous ramène cette notion d'embryon? Vous savez, ça rappelle cette phrase grec, cette phrase de la théogonie d'Hésiode, « Enarchin, au chaos ». Au commencement était le chaos. Mais le chaos qui n'est pas dans le sens, du désordre, c'est de l'indistinct,
des potentialités infinies. Au commencement de tout est la potentialité infinie. Cette infinie potentialité qui aboutit à ce que nous sommes nous, chacun, et qui fait répondre à la Torah, Bereshit bara Elohim, Dieu crée, hein, après ce fameux tohu-bohu, il crée en séparant. On clarifie un peu les choses. Bereshit, dans la tête, deux, bête, deux, on sépare. On sépare le haut du bas, on crée des nouveaux espaces. Or voilà, l'embryon, séparé, inséparable, forme involute, difficile à cerner, qui est-il? Alors que dans ce cas-là, quand on veut savoir, avoir quelques détails, on va voir les juristes. Les juristes ont besoin de choses claires. Mais les juristes eux-mêmes, ils nous disent, ben c'est simple, dans le droit, il y a les choses et les personnes. Les choses sont objets de droit et les personnes sont sujets de droit. Ah, ça c'est clair. Oui, mais il y a l'embryon. Ah, l'embryon, il n'est pas là. Il est là, mais il n'est pas là, car il est, en fait, protégé, bien évidemment, mais on considérera qu'une personne est une personne humaine à la naissance, donc dès lors que l'on respire, on a donc cette personnalité, mais avant, effectivement, eh bien, on est dans un entre-deux, dans la mesure où, on va dire, finalement, l'embryon n'est pas une personne, ou plutôt n'est pas encore. Mais que veut dire signifier quelque chose par une négation? Ça, c'est extrêmement intéressant. Si je dis qu'il n'est pas une personne, est-ce que je nie qu'il est une personne ou est-ce que je dis qu'il n'est pas encore une personne? Donc, on est encore dans le devenir. Un devenir extrêmement intéressant parce qu'il nous renvoie finalement à ce que nous sommes tous. Et ça, c'est quelque chose que je pense qui demande à être vraiment, vraiment réfléchi dans la mesure où est-ce que je peux dire que la réalité existe? Est-ce que je peux dire qu'un embryon est quelque chose que je peux signifier par un mot? Est-ce que je peux dire « c'est cela » ? Si je suis capable de ne pouvoir dire que cela n'est pas ceci, eh bien, c'est possible. Mais regardez, ça nous ramène aux questions que l'on avait bien, il y a bien longtemps et qu'on a toujours. Et c'est toujours intéressant de revenir à ça. Quand on parle de Dieu, alors ça y est, encore un autre mot, Dieu. Bon, alors Dieu, est-ce que je peux dire qui il est ? Certains vont dire « oui, Dieu c'est ça ». Bon. C'est la voix qu'on appellera dans l'Occident la voix cataphatique. J'affirme ce qu'est Dieu. Mais beaucoup d'autres personnes vont dire, mais pas du tout. Si Dieu est, tout ce que je peux dire, c'est ce qu'il n'est pas. À ceux qui vont dire Dieu est créateur, d'autres vont dire, mais il est plus que créateur, parce que le mot créateur, ça signifie quelque chose. Donc, il est au-delà de la création. Si je dis Dieu est amour, non, il n'est pas amour, il est au-delà de l'amour. Mais si je dis Dieu n'est pas amour, est-ce que je dis que Dieu est en dessous de l'amour ou est-ce que Dieu est en dessus de l'amour? Si je dis un embryon n'est pas personne, ça me laisse deux choix logiques. Il est une non-personne ou il est encore plus qu'une personne. C'est embêtant. Parce que toute négation entraîne deux choix logiques. Alors qu'est-ce qu'on fait? Le droit me dit que ce n'est pas une personne, d'autres vont me dire que ce n'est pas encore, mais son statut n'est pas clair. Et c'est ça qui me semble extrêmement intéressant. C'est de voir que finalement, nous avons vis-à-vis de cet embryon un rapport émotionnel extrêmement fort. Ça nous rappelle notre devenir, ça nous rappelle que finalement, nous existons encore un petit peu. Je terminerai avec ça pour laisser, je pense, là, beaucoup de questions. Exister, est-ce que la réalité existe? Est-ce que nous existons? La science, encore le physicien qui va parler un petit peu, nous intéressons au système. On essaie de comprendre comment un système évolue. Ainsi, même un système physique non vivant, un cristal, de la matière, vit des transitions de phase. Il évolue. Il devient lui-même autre chose que ce qu'il a été. Un système, c'est un ensemble de connaissances que l'on peut avoir, que l'on peut modéliser. On peut essayer de mettre des équations sur un système. Et on essaie ainsi de contrôler un système. Si je veux bien comprendre le système, si je veux essayer de le contrôler au mieux, encore faut-il que j'ai une bonne vision mathématique des choses. Mais quand on dit exister, j'existe, est-ce que je dis j'existe parce que c'est moi, j'existe parce que je suis? Si je dis j'existe parce que je suis, ça nous rappelle, c'est très étonnant, ben, Exode 3.14, veillez à chair ayez, je suis celui qui suis, qu'on peut traduire, ou je suis celui qui est, que les Grecs avaient traduit « ego eimi on », « je suis l'étant », tiens, un participe. Je suis le devenir. Mais si je dis « je suis parce que je suis »,
C'est une possibilité, mais qui ne signifie pas totalement ce que je suis. Car pour être ce que je suis, j'ai besoin d'exister. Or, exister, c'est sortir du système. Dans son étymologie grecque, ex-histémie, vous savez, le mot histémie signifie ce qui est stable, stable, esté, ce qui est stable, ce qui finalement se suffit à lui-même. Je suis stable, je suis bien. Et pour exister, ben, il faut que je sorte de mon lieu de confort, de ma zone de confort. J'existe parce que je deviens. J'existe parce que je suis dans un devenir. J'existe parce que je sors de moi-même. J'existe parce que je suis triste, parce que je suis gay, parce que voilà, je vis des choses très fortes. Et mon existence, parfois, elle advient à ma réalité. Et il ne reste plus que ça de vrai, finalement. Ce que je ressens, ce que je vis, mon existence. Or, cela me semble intéressant parce que finalement, penser l'embryon, eh bien, c'est d'une part, me semble-t-il, faire attention à ne pas le chosifier, en faire un en-soi. L'embryon, c'est ça. La sagesse qui me dit « je sais ce que ce n'est pas » m'amène à penser à mon existence. Or, l'embryon lui-même existe comme tout vivant, il devient. Il n'y a pas de différence fondamentale entre un embryon et moi. Je suis un embryon, car je deviens. Et car jusqu'à la fin de mes jours, je continuerai à devenir ce que je suis aujourd'hui, n'est pas ce que je serai demain. Simplement, moi, j'ai pris conscience de mon existence. Ça peut m'angoisser. Car quand nous prenons conscience de notre existence, nous prenons conscience que nous allons mourir. Et ça, c'est moyen. Donc on finit par s'habituer. La philosophie nous amène à penser ça, à vivre avec ça. La vie, le monde, on apprend à vivre avec cette mort, à l'apprivoiser d'une certaine manière. Et c'est cela, exister. Donc finalement, la question que je poserai, c'est comment penser l'embryon tant qu'on n'en saisit pas réellement l'existence. Et c'est là où peut-être qu'il y aura des enjeux éthiques dont nous débattrons probablement aujourd'hui. Je vous remercie. Merci Vincent pour quelque chose qui, dans le fond, ton discours c'était presque une théologie de l'embryon, si j'ose dire. Je dis parce que moi j'ai fait mes études aussi dans une université catholique, donc quand il a parlé de comment parler de Dieu par la négation, ça m'a rappelé Scott Erigène, ce philosophe du 5e siècle, qui a effectivement développé une théologie de la négation. Je pense que tu as raison aussi de souligner le devenir de l'être humain. Et dans le fond, ceci nous rappelle aussi, plus simplement, si vous prenez le premier avis, je crois que c'est tout dans le premier avis du Conseil consultatif national d'éthique, où l'embryon était défini comme une personne potentielle. Il y avait la distinction entre être une personne potentielle et être une personne potentielle en devenir. Et l'idée du devenir, c'est que pour avoir un devenir, un embryon doit avoir été d'une certaine manière implanté dans le corps de la femme, parce que sinon il n'a pas de devenir, il va mourir. Et dans le fond, ton discours sur le devenir humain qui fait que, bon, d'une certaine manière, si nous sommes tous des embryons, dans le fond, c'est encore une raison de plus de pousser la recherche sur l'embryon, puisque nous la poussons sur l'être humain. Je ne sais pas si c'est ta conclusion, en tout cas, c'est une conclusion qu'on pourrait tirer. Et dans le fond, ça rencontre assez bien, effectivement, des préoccupations qu'il y a eu au CCNE et cette ancienne discussion de savoir si l'embryon est une personne potentielle, qu'est-ce que ça veut dire? Et je te remercie d'avoir posé la question. Voilà, nous sommes tous exprimés sur le sujet. Vous avez rempli le contrat et maintenant la parole est à la salle. Qui souhaite soit poser une question, soit faire un commentaire? Bonjour. Céline Moutou, responsable du diagnostic préimplantatoire à Strasbourg. J'avais une question qui viendra peut-être avant. Qu'est-ce qu'un embryon? Finalement, on va travailler sur des embryons dans le projet de Julie à 3 pronoyaux. Est-ce que c'est considéré comme un embryon? Donc, est-ce qu'il y a une définition différente de l'embryon au niveau biologique et au niveau juridique? Qui veut répondre? Le point de vue scientifique peut-être, ou est-ce que vous... Julie? Et ensuite, bon, on peut tous répondre à la question, hein, j'entends, c'est pas du tout limité. En tout cas, merci pour la question. Sur le plan
juridique, ça a été considéré comme des embryons, puisqu'on nous a demandé d'avoir une autorisation de recherche sur l'embryon. Et sur le plan biologique, c'est déjà plus discutable, je pense. Ce que je peux dire, c'est qu'en Suisse aussi, sur le plan juridique, c'est considéré comme un embryon. Maintenant, sur un plan éthique, ça montre une chose, c'est que c'est pas du tout simple de mettre des limites absolument précises aux choses. Je pense que ça peut se discuter au plan éthique. Est-ce qu'on doit le considérer comme un embryon ? Plutôt oui, mais quand même. Parce qu'après, on peut toujours remonter encore dans différents types de pathologies. Et est-ce que vraiment là, il y a embryon ? Mais je ne pense pas. L'éthique, là, doit rester un peu dans le flou, en tout cas dans la délibération par rapport à ce genre de questions. Oui, peut-être pour ajouter, je suis animateur, mais c'est une question qui m'a beaucoup occupé. On trouve un éventail de positions qui va depuis l'embryon est une simple collection de cellules jusqu'à l'embryon est une personne humaine comme vous et moi. Et il y a toutes sortes de possibilités. Ce débat n'est pas nouveau. Ça, c'est sur le plan philosophique et éthique, sur le plan juridique, c'est inspiré du droit romain. On est une personne à la naissance. Ce qui simplifie évidemment les choses. Mais du point de vue philosophique, saint Augustin avait soutenu la même théorie. Il y a des débats. Les débats portent sur ce que c'est un embryon. Est-ce qu'un embryon peut être une personne si, lorsqu'on le divise, il ne meurt pas, mais il donne deux individus distincts? C'est le problème des jumeaux monozygotes qui a beaucoup été discuté. Alors que si nous, on nous coupe en deux, on meurt, tout simplement. Alors, est-ce qu'un être est divisible, est vraiment un individu? Donc, est-ce qu'il y a vraiment une personne potentielle ou une simple collection de cellules, etc., etc. Les débats, il y a des bibliothèques entières sur la question, je ne vais évidemment pas vous les résumer, mais pour vous dire que si ça vous intéresse, vous pouvez trouver évidemment énormément d'informations de différents types de positions. On ne pourrait pas se mettre d'accord sur le fait qu'un embryon contient deux origines génétiques. Mais là, juste pour, si je vous ai bien compris, la question c'est, lorsqu'il y a une grave malformation, un gros problème après la fusion des deux gamètes, suivant le type de gros problème qu'il y a, est-ce qu'on peut encore parler d'embryon ? Parce qu'il y a des problèmes extrêmement importants, des espèces de monstres, entre guillemets, je dis ça sans aucun jugement, et je pense qu'il y a une délibération à avoir, c'est pas tout simple non plus. Oui, tout à fait. Apporter une petite réflexion personnelle, un point de vue patient, association, sur ce champ-là. Ce qui est sûr, c'est que quand on voit la difficulté de beaucoup de femmes ou quand on voit la difficulté de réussir, et les maladies mitochondriales sont très vraies, puis il y a vraiment un gros souci pour avoir un enfant, c'est clair que ces parents, ces femmes, l'embryon, elles le voient dans sa potentialité. Et pour elles, il y a beaucoup d'espoir sur ce qu'il va représenter pour après. Donc je dirais, cet espoir, pour moi, est une forme de vie qu'elles vont mettre sur ces cellules qui ne sont pas encore possibles et qui ne seraient pas encore un embryon, enfin, qui n'auraient pas leur potentialité, mais si on les traite, qui pourraient avoir cette potentialité. Donc je crois que ces familles et ces femmes pensent beaucoup dans l'avenir et dans cette potentialité. Je rajouterais une petite chose, mais vraiment un détail, pour revenir sur ce que vient de signifier Israël. Deux lignées, ça rappelle un petit peu la définition du hasard, deux chaînes de causalité qui n'avaient rien pour se rencontrer et qui se rencontrent quand même. Deux chaînes de causalité, deux lignées génétiques qui se rencontrent à un moment donné et qui forment une potentialité. Et une potentialité unique. Là, on a un embryon. Et un embryon vivant. Et non pas un embryon de type nucléus que l'on retrouverait dans un cristal au sein duquel pourrait se développer toute une chimie. Là, on a une chimie dans le cristal simple, organisée autour de 7 mailles cristallines, et une ligne de plus, une ligne de moins, alors que dans ces chaînes de causalité génétique qui se rencontrent, on a une infinie potentialité. Pour moi, l'embryon, c'est le chaos dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est le début de tout. Bonjour, Virginie Rio. Donc, je représente une association de personnes infertiles et stériles qui ont recours à l'AMP. Et il y a une question que j'aimerais vous soumettre sur la notion d'embryon potentiellement viable et d'embryon potentiellement non viable.
donc qui sont et qui est un point important pour les parcours d'assistance médicale à la procréation, puisqu'on actuellement en France, on transfère dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation un très très fort pourcentage d'embryons potentiellement non viables. Et donc on aimerait, nous, association de patients, pouvoir modifier un peu ça et passer à un dépistage précoce de la potentialité d'un embryon, donc de sa viabilité chromosomique, pour éviter d'être dans des transferts qui sont, on le sait, n'amènerait à rien, puisque cet embryon, même dans la nature, enfin, d'un point de vue naturel, alors c'est un peu, c'est pas très philosophique ce que je dis, mais ne donnerait rien. Merci. Merci. Julie, vous pouvez répondre. Donc peut-être pour replacer un petit peu les choses, que tout le monde comprenne de quoi il est question. En fait, lorsqu'on transfère un embryon dans l'utérus d'une patiente, les chances que cet embryon se développe ne sont que de 25-30%. Donc 70% des embryons transférés ne se développent pas. Et la raison pour laquelle ces embryons ne se développent pas n'est pas parfaitement connue aujourd'hui. On a des hypothèses pour expliquer cette absence de développement, et une des hypothèses est que en plus d'être le chaos philosophique, l'embryon est aussi un chaos chromosomique, c'est-à-dire que dans les cellules embryonnaires précoces, les choses se passent pas toujours idéalement, et un certain nombre de cellules vont hériter d'anomalies chromosomiques diverses et variées. Et c'est probablement une raison pour laquelle les embryons ensuite ne vont pas être capables de se développer pour donner naissance à un individu. Et je pense que dans la question que posait madame, elle nous demande qu'en est-il de la possibilité de dépister ces anomalies chromosomiques dans les embryons pour permettre de sélectionner sur le plan génétique donc les embryons pour ne transférer que ceux qui ont un patrimoine chromosomique normal. Et donc aujourd'hui c'est une pratique qui n'est pas autorisée en France. On n'a pas le droit de faire de dépistage sur des embryons qu'on suit in vitro. On a juste le droit de faire du diagnostic ciblé lorsque il y a une anomalie connue dans la famille. Mais ce dépistage, il est assez communément fait dans le reste du monde. Les choses sont pas si simples que ça, et c'est probablement la raison pour laquelle, en tout cas jusqu'à présent en France, ce n'est pas autorisé. C'est que même si on fait cette sélection chromosomique, il se trouve que vous gardez quand même des embryons qui ne se développent pas. Et on ne sait pas pourquoi. Alors c'est probablement qu'il n'y a pas que des raisons chromosomiques au non-développement d'un embryon. Et puis il y a probablement un excès, c'est-à-dire que lorsque vous trouvez une anomalie chromosomique sur un embryon et que malgré tout vous transférez l'embryon, parce qu'il y a des centres qui ont été jusque-là, ils sont aperçus qu'un certain nombre de ces embryons se développaient et donnaient naissance à des enfants. Donc la sélection d'un embryon sur un patrimoine chromosomique, pour l'instant, elle n'a pas fait vraiment la preuve de son efficacité. Elle reste discutée et en France et dans le reste du monde. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que donnera la révision des lois de bioéthique, mais voilà. J'espère avoir répondu. Merci. Oui, Jean-Louis Mandel. Alors, évidemment, quand on voit le titre, on se dit tout de suite, bah, c'est évident, il vaut mieux soigner que de détruire. Mais je pense que ce qu'a dit Julie Stéphane et aussi Anne-Sophie Lapointe, c'est quand même de souligner que la chose est extraordinairement difficile et que quelquefois, effectivement, quand on parle... On parle toujours de l'extraordinaire explosion des connaissances, des technologies, etc. CRISPR-Cas9, le séquençage. Alors c'est vrai, mais il faut toujours se dire qu'il y a certaines choses qui ont progressé extraordinairement vite et dont on ne rêvait pas, mais qu'ensuite, pour que ça arrive jusqu'à la thérapeutique de soigner, il faut que plein d'autres étapes soient remplies et que ça peut prendre
énormément de temps. La thérapie génique, on a commencé à en parler en 1980, et il y a des gens qui ont commencé à faire la recherche en thérapie génique. Il a fallu attendre à peu près 2010 pour qu'il y ait des premiers résultats, et pour le moment, ça ne se fait encore que dans des centres ultra spécialisés comme projet de recherche médicale, c'est pas encore complètement dans le soin. C'est pour ça que l'histoire de CRISPR-Cas9, c'est un outil de laboratoire extraordinaire, mais avant qu'on puisse vraiment être sûr qu'on puisse l'utiliser en thérapeutique, il y aura beaucoup. Et alors se pose un problème que je voudrais souligner, c'est que quand on veut faire du soin développé, des thérapeutiques, on fait des essais cliniques. Comment faire des essais cliniques sur l'embryon humain? C'est-à-dire qu'il faudrait avoir des femmes enceintes, porteuses d'un embryon avec une anomalie. Et alors, soit on est absolument sûr que ça va marcher, et c'est vrai qu'il y a certaines thérapeutiques, par exemple chirurgicales, où on sait qu'on peut corriger quelque chose qui ferait mourir l'embryon, et ça peut exister. Mais ça pose un gros problème. Et d'ailleurs, le problème éthique intéressant, est-ce qu'il ne faudra pas se retourner sur les pays qui ont interdit complètement l'interruption de grossesse, y compris pour cause médicale sur l'embryon, parce que ça sera les seuls où éventuellement on pourrait faire de tels essais cliniques pour voir est-ce que ça marche vraiment. Ensuite, que ça marche vraiment, il faut attendre quelquefois, peut-être 20 ans, 30 ans, pour savoir si vraiment il n'y a pas, ça a marché complètement. Donc c'est d'une extraordinaire difficulté, et les organismes modèles sont utiles, il faut les utiliser, mais c'est... Voilà. Alors... Voilà. Oui, Jean-Louis. Je pense que effectivement, on s'aperçoit que la majorité des cas, il y aura le diagnostic préimplantatoire, en fait, qui sera plus facilement utilisable. Et ensuite, effectivement, pour quelques cas particuliers, la question se posera, mais il y a encore, on est aux prémices de toute cette recherche et il y aura le temps jusqu'aux soins. Donc, ça va prendre du temps. Merci. Bertrand. Pose une vraie question à nos pays, je pense à la Suisse et à la France, c'est la même chose, qui ont une éthique et un droit très strict et qui tiennent, mais où du coup la recherche sur ce domaine, en particulier ce soin qu'on pourrait porter aux embryons, progresse dans des pays beaucoup plus libéraux et avec beaucoup moins regardant sur certains aspects éthiques. Et ce qui risque bien d'arriver, c'est qu'à la fin, les résultats de leur recherche reviennent chez nous. Donc on aura un peu exporté cette recherche sale, entre guillemets. Et c'est pour ça qu'il y a l'interrogation sur l'embryon, sur l'éthique et tout, mais il y a aussi cette interrogation de démocratie. Qu'est-ce qu'on doit faire pour assumer ce qu'on va proposer après aux gens? Et c'est une vraie question quand même, parce que c'est trop facile de dire « nous, on est très propres ». On a des règles strictes, et puis d'autres pays progressent, font des essais, et généralement c'est pas les pays les plus stricts. Là, ça va de pair avec aucune recherche. C'est plutôt des pays libéraux. Et malheureusement, la Chine, où alors là, l'éthique est très largement hors contrôle, puisque les femmes sont payées ou obligées de donner leurs ovules, voire leurs embryons. On utilise des condamnés à mort, enfin, etc., etc. Mais c'est quand même une vraie question qui vient s'ajouter, celle-là. Merci. C'est le thème des mains sales, déjà, bon, dans d'autres domaines, Sartre en avait déjà parlé, mais auquel on est effectivement confronté régulièrement avec la recherche. Oui, simplement, effectivement, il y a les législations qui changent d'un pays à un autre, et puis aussi les rapports au monde qui changent d'un pays à un autre, effectivement, entre la Chine, l'Occident, etc. Il y a des façons de voir le monde, d'appréhender le monde, l'homme, l'humain, le temps. Mais dans votre question, quelque chose d'intéressant, vous avez dit tout à l'heure dans 20-30 ans. Or, peut-être faudrait-il, quand on parle de l'embryon, déjà questionner nos propres métaphores. Il n'y a pas si longtemps que ça, on considérait que, eh bien finalement, nous, les humains, nous étions programmés. Nous faisions une quasi-métaphysique de l'ADN, regarder cet ADN de manière extraordinairement scrupuleuse et avec un respect absolu, dans la mesure où cet ADN était vraiment
contenait tout ce que nous étions. Alors de fait, cette molécule est extrêmement intéressante, mais de là à exprimer qu'elle est nous, il y a peut-être une nuance que nous a apportée, il n'y a pas si longtemps que ça, l'épigénétique. Car en effet, l'épigénétique remet en question complètement cette métaphore de l'ordinateur. Je modifie un programme informatique, il fonctionne ou il plante. Alors, il arrive qu'on insulte nos ordinateurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Hein, c'est les pauvres ordinateurs, qu'est-ce qu'ils prennent? Parce qu'effectivement, ils sont censés faire exactement ce qu'on leur demande. Donc, soit c'est un programme que je fais, il obéit ou pas. Or, ce que nous sommes, nous, les humains, ne sommes pas un programme. Au mieux, serions-nous un code lisible dans un contexte donné. Ce qui veut dire que depuis que nous connaissons l'épigénétique, cela signifie que nous ne savons pas comment nous allons évoluer. Si nous nous amusions à séquencer tous nos génomes dans cette salle, nous avons tous des horreurs. Tous. On ne le sait pas. Et d'autre part, ça s'exprimera peut-être pas ou certainement pas. Je veux dire par là que penser l'embryon, c'est penser les métaphores de notre monde. Est-ce que nous pouvons, en soignant un embryon, être certains du résultat? Non, comme nous ne sommes certains d'aucun résultat sur du vivant. Et ça me paraît extrêmement intéressant, et surtout que nous savons bien que la relation in utero est une relation où l'épigénétique se déploie de manière extraordinaire. Nous sommes un génome unique, exprimé de manière unique par notre mère. Nous sommes deux fois uniques. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça signifie que, comme il n'y a pas de causalité comme on ferait en physique, pour un embryon, je touche une partie du génome, eh bien ça peut faire ce que je ne savais pas. Je peux témoigner là-dessus tout simplement sans aller jusqu'à l'embryon. Vous prenez une bactérie. Une bactérie. On se dit qu'une bactérie, il n'y a rien de plus simple et qu'on ne va quand même pas se laisser embêter par une bactérie. Bien. Vous demandez à une bactérie, dans des laboratoires de biotechnologie, de faire ce qu'elle n'a pas envie de faire. Donc, vous la programmez. Et vous lui dites, on va te donner du sucre et tu vas nous faire des biocarburants. Eh bien, on lui donne du sucre et elle fait ce qu'elle a envie de faire. Une bactérie elle-même est capable de trouver des stratégies pour ne pas obéir à des savants en blouse blanche. J'assure que c'est un choc narcissique. On se fait avoir par des bactéries qui nous disent, non, moi ça je ferai pas, hein. Mais si, tu vas le faire, alors on modifie le génome, alors ça marche quelques temps, et puis ensuite elle recommence à faire ce qu'elle n'a pas envie de faire, et elle nous dit, mais moi, ciao, moi je suis pas fait pour ton biocarburant, j'en ferai pas. Alors effectivement, c'est là où c'est intéressant, c'est que si une bactérie est capable de développer des stratégies, et si une bactérie vit dans une épigénétique, ô combien un embryon vit dans au sein d'une épigénétique d'une force et d'une puissance extraordinaire. Ce qui veut dire, attention à nos métaphores. Soigner, oui, mais on sait très bien que le soin n'est pas une causalité immédiate et elle n'aura pas nécessairement l'effet escompté. Donc ça suppose une question de responsabilité sur quelqu'un qui, en plus, n'a pas donné de consentement. Donc effectivement, là, il y a une question énorme, mais sachant que de toute façon, on ne pourra pas, a priori, considérer qu'une modification d'un génome aboutit nécessairement à un résultat escompté. Je voulais d'abord remercier Julie pour avoir extrêmement bien et clairement posé la question du diagnostic préimplantatoire avec recherche d'aneuploïdie chez nos embryons issus de fécondation in vitro ou d'ICSI dont la famille ne présente pas de pathologie et qui serait peut-être un espoir pour, et j'insiste un petit peu, dans certains cas, bien évidemment, et après un certain nombre de verrous, évidemment, permettre éventuellement de diminuer le nombre de transferts qui n'aboutiront pas pour que les patientes vivent un peu moins les échecs de façon répétée et se culpabilisent aussi de leur incapacité à pouvoir mettre en route une grossesse. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même interdit en France. C'est-à-dire que plutôt que de se donner, comme dit Monsieur Kiffer, les moyens de maîtriser la technique, d'apprendre, de critiquer ce qu'on fait, même d'être capable de le critiquer au lieu de regarder ce qui se passe à l'extérieur comme quelque chose de formidable, je pense que cette interdiction, malheureusement,
n'est pas bonne pour la France et que là-dessus, ce n'est pas parce que la technique n'est pas encore complètement validée qu'il faudrait totalement l'interdire. Il faudrait peut-être nous donner les moyens de l'utiliser aussi et d'apprendre à l'utiliser et de savoir, de devenir expert de cette technique pour pouvoir aussi la critiquer correctement. Ça me semble très important. Je voudrais juste remettre une petite question au cœur du débat, c'est que malgré tout, et je côtoie les patients tous les jours qui ont des soucis de pathologie génétique, bien évidemment que leur souhait c'est d'avoir un enfant en bonne santé. Et d'ailleurs je ne sais pas qui ici n'a pas envie d'avoir un enfant en bonne santé. Donc cette recherche sur l'embryon, il faut véritablement la dédramatiser et la dédiaboliser parce qu'il y a quelque chose qui mobilise je ne sais pas quoi, probablement un fantasme à nouveau, et qui empêche l'avancée des choses. Alors il y a le financement, il y a toute l'institution, il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte, mais cette recherche sur l'embryon, si on y regarde de près, finalement, c'est quand même quelque chose de fondamental si on ne veut pas, et c'est simplement la question, les gens ne veulent qu'une seule chose, c'est d'avoir des enfants en bonne santé. Le fait qu'ils soient grands, intelligents, ça n'a rien à voir, ça n'est pas leur demande d'aujourd'hui. Merci. Quelqu'un veut... Julie ? Merci pour l'intervention. Et moi, vous avez compris que je défends de réviser la loi de la recherche sur l'embryon, qui, à mon avis, évite ces fantasmes aussi, parce que quand on voit écrit dans la loi la création d'un embryon transgénique est interdite, je me pose la question de ce qu'est un embryon transgénique. Et je pense que si on fait ici une réunion scientifique de 2 heures, on sera peut-être pas tous d'accord au bout de 2 heures sur la définition de ce qu'est un embryon transgénique. Et ça prend toute sa dimension à l'heure des techniques de ciseaux moléculaires ou CRISPR-Cas ou je sais pas comment vous voulez les appeler, qui sont quand même des outils génétiques extrêmement puissants, qui ont la possibilité de faire de la thérapie génique sans modifier finalement le génome de l'embryon, c'est-à-dire sans lui ajouter un caractère supplémentaire sur un vecteur, etc., où aujourd'hui on est quand même capable de couper l'ADN et de remettre une séquence normale à la place. On n'est pas, je suis d'accord que l'épigénétique, etc., c'est quelque chose d'extrêmement important, mais enfin, aujourd'hui, vous avez une faute d'orthographe sur vos millions de paires de bases d'ADN, et cette faute d'orthographe, elle peut faire que vous êtes un enfant qui ne saura jamais parler, jamais marcher, et si on arrive par des outils génétiques à juste corriger cette petite faute d'orthographe, il est tout à fait possible que ça restaure une vie normale pour l'enfant. Alors, on n'y est pas, c'est sûr. Ceci dit, je pense que ça arrivera très très vite. Moi, je pense pas qu'on va mettre 25 ans à faire de la thérapie génique avec les outils CRISPR-Cas sur les embryons. Il y a déjà des équipes qui ont publié des choses qui sont très intéressantes. À mon avis, ça va arriver très très vite et je m'étonne que les associations de patients s'emparent pas du problème. Je pense qu'on communique peu, on a probablement des tas de rétention. On pollue le discours scientifique par le transhumanisme et l'amélioration de l'espèce humaine qui, effectivement, n'est pas du tout le problème, en tout cas pas le mien. Je ne crois pas à l'amélioration de l'espèce humaine via l'ADN. Je pense qu'on est bien plus que nos gènes. Mais par contre, on s'interdit et on fait faire par des équipes qui souvent n'ont pas forcément le bagage scientifique, ont pas la rigueur éthique, ont pas on se débarrasse du problème. Un peu. D'un point de vue associatif, effectivement, je pense que tout à l'heure j'ai parlé de la pédagogie. Je crois que c'est fondamental et c'est encore ce qui nous manque. C'est-à-dire que je dis qu'il n'y a pas encore eu un débat de société important. Il faut resituer là où notre problématique qui est effectivement pas du tout l'homme augmenté, mais traiter l'homme embryon. Je veux dire, c'est la question, pas le rendre un surhomme. Et on a un défaut de savoir clairement et que je dirais que l'urgence, en plus de cette recherche qui va très très vite, notre urgence, elle est de l'autre côté, cette formation, cette pédagogie pour la société civile. Et il y a des espaces éthiques régionaux où la Fondation Imagine, il y a peut-être quelque chose à faire, en tous les cas, vers nos associations pour informer sur ces nouvelles techniques et le gain qu'il y aura et s'en emparer.
pédagogie. Juste pour ajouter un élément concernant les représentations et les images qu'on se fait. Alors c'est vrai, quand on parle embryon, on voit souvent un tout petit bébé, alors que évidemment visuellement, ça n'a rien à voir. Et donc, ceci joue son rôle. Et pour l'illustrer encore une fois, dans le débat en Suisse, sur le, quand on a voté sur le DPI, les opposants, c'était assez malin ce qu'ils ont fait. Ils ont joué là-dessus, justement, en mettant « Nous ne voulons pas de bébés OGM ». Et il y avait dans l'image un maïs, le maïs Monsanto, avec un petit bébé tout formé à l'intérieur. Ça n'a pas suffi, heureusement. Mais je peux dire que, effectivement, bon, là, c'était un petit peu de l'abus de mauvaises images, mais même en étant sérieux avec les images, il faut faire effectivement très attention aux images, aux métaphores que l'on emploie, parce qu'elles véhiculent beaucoup plus de choses que nous-mêmes, parfois, on le pense au départ. Il me semble-t-il, au sein de ces métaphores, il y a aussi la question, vous l'avez tous souligné, bien sûr, du normal et du pathologique. On voit bien qu'il y a un certain nombre de pathologies plus ou moins importantes, et jusqu'à présent, nous pouvons dépister un certain nombre de pathologies. Mais jusqu'où peut-on considérer qu'une pathologie ne mérite pas d'être vécue? Je crois que la question éthique, elle est là. Vous savez, je vous le dirai qu'à vous, mais ça ne sortira pas de cette salle. Il se trouve que moi, j'ai un problème génétique. S'il avait été dépisté à ma naissance, peut-être, avant plutôt à ce moment-là, peut-être, ne serais-je pas là. Donc ce problème génétique, je l'ai, il fait partie de moi, il est moi, il forme aussi mon caractère, ce que je suis, mon regard sur le monde. C'est-à-dire qu'effectivement, une pathologie, ça peut être aussi constructif, c'est pas nécessairement quelque chose qui tue, on peut vivre de ses faiblesses, tout ce qui est vivant est imparfait. Jusqu'où le diagnostic nous permettra-t-il de dire « là, je mérite de vivre », là, je ne mérite pas de vivre. Et plus nous serons fins, délicats, avec de plus en plus d'informations sur le dépistage très précoce de certaines pathologies, plus nous aurons ce choix terrible, terrible, d'admettre que tel ou tel embryon mérite ou non de vivre. Et ça, je crois que c'est une question extrêmement importante, car une fois de plus, peut-être que je n'aurais pu ne pas naître. Ça aurait été contrariant, quand même, si. Je me sens aussi le besoin de donner mon avis un peu en profondeur. Je crois beaucoup que l'humain est sacré, qu'il y a du sacré en nous, c'est quelque chose de très profond, je le crois. Mais je crois aussi qu'on est dans une époque passablement perdue, qui investit tout ce besoin de sacré sur l'embryon, invisible, de manière assez étrange, et je le vois comme ça. Et pour moi aussi, parmi les grandes aventures de l'humanité, les toutes grandes. Je mets aussi la religion là-dedans, la science, mais il y a la médecine. Et la médecine, c'est la lutte contre la souffrance. Et c'est quelque chose de fondamental. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir, et je regrette peut-être d'avoir mélangé un peu dans ma présentation les choses, il y a aussi une tentation de pureté, de perfection dans l'époque. Mais en l'occurrence, dans ce débat, elle n'est pas en question. Mais ce dont on parle, c'est de souffrances vraiment terribles qu'on voit peu, nous, parce que on est dans une époque où tout est caché, la mort est cachée, la souffrance est cachée, mais les familles d'enfants gravement atteints, c'est vraiment quelque chose de très lourd et de très, très important. C'est un devoir de société et c'est la grande aventure de l'humanité que de lutter contre la souffrance. Et je pense qu'on peut croire dans quelque chose de très sacré en l'humain, en tous les hommes, sans tout investir, parce que c'est quand même frappant de voir chez nous, en tout cas, les mouvements politiques qui se fichent complètement du prochain. C'est vrai, il y a un égoïsme qui s'installe dans ces mouvements et qui mettent tout leur respect pour l'embryon. Il y a un truc là qui me sidère et qui me semble quand même, je ne mets pas de responsabilité, mais qui est quand même exagéré. Voilà mon opinion. Bonjour, Charmini Bharataraja, chirurgienne digestive. Sans aller dans les paradoxes et sans vouloir nourrir les fantasmes, j'avais une question rapide, je ne sais pas s'il y a une réponse, à Madame Stéphane. Par rapport à ce dialogue entre noyau et cytoplasme, on sait l'étendue vaste. Actuellement, est-ce qu'on peut avoir une présomption de ne pas agir juste sur l'être à venir, mais sur sa filiation? Est-ce que sur l'animal, parce qu'hier on a eu tout ce débat inquiétant sur l'environnement qui agit sur la reproduction, et pour justement sortir de ce fantasme-là, parce que c'est aussi de ça,
Est-ce qu'il y a déjà, sur l'animal ou sur les autres études qui existent, parce que je ne suis pas au courant de ça, une présomption ? Alors, sur la question, en fait, de la génération suivante, c'est-à-dire pas la génération corrigée, traitée, je sais pas, qui a bénéficié du don, la génération suivante, à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de données, parce que les données qu'on a sont chez l'animal. On a des données chez des souris qui sont nées de transferts de noyaux qui se développent très normalement. Mais à ma connaissance, ils n'ont pas fait l'expérience de les faire se reproduire. Et il y a des singes qui sont nés aussi de transferts de pronoyaux qui vont bien. Il y a 4 singes, mais ils sont encore assez petits. Je ne pense pas qu'ils aient eu eux-mêmes des bébés. Ceci dit, toute intervention sur le génome peut effectivement modifier l'épigénétique et donc potentiellement avoir des effets sur les générations suivantes. Ce qui a quand même été fait, c'est sur des embryons humains, ils ont vérifié des marques épigénétiques dans des embryons soumis à transfert de pronoyaux. Et il n'y avait pas de modification vraiment évidente par rapport à des embryons témoins. C'était pas... Bonjour, Jérôme Courduriès, anthropologue. Merci pour cette table ronde. Il me semble que dans une partie de la discussion, on a buté, comme toujours dans les débats de bioéthique sur ces questions, sur un butoir de la pensée. Est-ce que l'embryon est une personne ? Est-ce que ça n'en est pas ? Quel est son statut ? Il me semble qu'il y a des travaux qui sont menés en anthropologie. Je pense notamment à ceux, en particulier, d'Anne-Sophie Giraud, une jeune anthropologue du CNRS, qui montre que une issue, peut-être une piste en tous les cas à approfondir, c'est d'envisager que le statut de l'embryon, comme de la personne de toutes les manières, dépend en partie de la relation dans laquelle il est inscrit. Pour le dire vite, un laborantin, un médecin ou un biologiste dans un laboratoire de la reproduction n'aura pas la même perception évidemment de l'embryon qu'il manipule, sur lequel il agit, que celle des parents ou des géniteurs, peu importe comment on les appelle, qui ont produit cet embryon et qui le savent vivant quelque part, hors d'eux. Voilà, c'était juste une petite réflexion. Merci. Effectivement, là, vous faites allusion, même de manière anthropologique, à ce que la philosophie a fait avec, par exemple, les travaux de Simondon. La relation à... Ça, c'est extrêmement intéressant. Effectivement, un rapport n'est pas une relation. Deux éléments sont en rapport quand je peux déterminer les modalités du rapport et la temporalité du rapport. On est en relation quand il y a une modification intersubjective de tout ce qui est vivant. Une bactérie est en relation avec son environnement, pardonnez-moi, elle le modifie, et ce qui est modifié dans l'environnement modifie la bactérie. Il y a donc dans la relation quelque chose d'extrêmement fort qui fait que, en fait, un être humain n'existe jamais tout seul. Nous sommes tous des êtres de relation. Et là, effectivement, là, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas penser l'embryon sans la relation qu'on a à lui, comme la relation qu'on a avec chacun d'entre nous dans notre vie de tous les jours. Et ça, effectivement, nous nous modifions tout le temps, tous les jours, par nos relations intersubjectives. Et là, je pense qu'effectivement, vous avez parfaitement raison, on ne peut pas enlever une pensée de l'embryon de la pensée de la relation. Et là, on est vraiment au cœur de l'humain. Oui. Juste peut-être pour... Oui. Excusez-moi, si vous voulez applaudir, allez-y. Effectivement, c'est une discussion qui a eu lieu même chez les philosophes. Hein. La question, est-ce qu'il faut définir le statut, il ne s'agit pas de définir l'embryon, mais de définir le statut moral de l'embryon uniquement par ses propriétés intrinsèques, par ce qu'il est, ou par ses relations. Voilà. Et par exemple, les personnes qui pensent que ce qui fait la valeur de l'embryon, c'est le projet parental ou la relation avec les parents, ont une conception relationnelle de l'embryon. Mais il est vrai que traditionnellement, c'est pas cette approche qui a été utilisée, elle était basée plutôt sur les capacités intrinsèques de l'embryon, ses propriétés intrinsèques, d'où sa potentialité intrinsèque. Oui, et un des arguments qui avait été donné en faveur de cette approche intrinsèque, mais qui est vrai qu'il touchait pas l'embryon, c'est ce que Anne Fagot-Largeau, qui est peut-être la première bioéthicienne en France, en tout cas avoir publié en France, disait, mais on peut pas réduire
la valeur morale de quelqu'un uniquement du fait qu'il est aimé ou pas aimé par les gens qui sont autour de lui. Que le statut de la personne dépend de ce qu'est la personne. Bien entendu, il y a toutes sortes de relations qui viennent modifier la donne. Voilà, mais c'est un débat, effectivement, et je pense que vous avez raison de dire qu'il y a des approches relationnelles qui donnent d'autres types de réponses, mais qui ont aussi leurs autres difficultés. Oui, et je pense que c'est d'ailleurs, selon moi, extrêmement dangereux de considérer l'embryon uniquement selon sa propre potentialité, car cela nous amène à réduire l'embryon à quelque chose et quelque part à le chosifier. Et je pense que si on dit, moi je suis pas du tout d'accord là sur ce point-là, je pense que nous sommes exactement ce que l'on est en relation, c'est-à-dire que si je suis aimé, je suis. Je pense qu'effectivement, oublier le statut fort de cette puissance relationnelle humaine, c'est nier, me semble-t-il, l'humanité dans ce qu'elle a de plus beau, d'invisible, dans ce qu'elle donne, dans ce qu'elle exprime au travers de l'amour, au travers des sentiments. Et je pense que je ne suis que parce que l'autre est. Je ne suis pas que, selon une sorte de métaphysique de l'ADN, ce que je porte en moi. Je ne suis rien, moi. Et je pense que amener à confondre la relation et le rapport à, c'est extrêmement dangereux. Là, je pense qu'effectivement, monsieur, là, je souscris complètement avec vous. Je pense que on ne peut pas, à mon avis, bon, là, on va en débattre, on ne peut pas, à mon avis, définir quoi que ce soit d'humain hors de la relation, hors des sentiments, hors du mystère qui nous construit. Ça, j'en suis. Ouais. Je voulais juste compléter, je suis tout à fait d'accord par rapport à cette relation, et on voit bien pour les parents en demande d'avoir un enfant qui ne soit pas malade, et c'est important, je pense, de justement construire cette relation et de l'accompagner. Et je pense que tout ce parcours du combattant dans ce parcours de la procréation, d'avoir un enfant qui va bien, doit s'accompagner, parce qu'il y a vraiment une vraie souffrance derrière, et c'est cette relation qui se joue avec l'embryon et avec un enfant potentiel. Oui, bonjour, Didier Garnel de l'association HILS, qui s'occupe de questions d'augmentation de la longévité. Donc moi je pense que les très belles interventions, notamment de monsieur Grégoire Delory, je dirais politico-philosophico-éthico, beaucoup de choses, montrent le danger qu'il y a à glorifier finalement ce qui est pour ne pas changer les choses. Et quand on en arrive à glorifier les bactéries, on pourrait se poser des questions, mais maintenant... ma question porte sur, le titre c'est soigner les embryons plutôt que les détruire. En fait, il y a trois choses qui sont possibles avec des embryons, c'est les soigner, les détruire, ou bien alors faire des recherches scientifiques. Et de manière relativement surprenante, enfin, en tout cas pour moi c'était une bonne surprise, quand on demande aux femmes qui donnent des ovocytes ce qu'elles souhaiteraient qu'il soit fait avec leurs ovocytes s'il n'est plus possible de les implanter, et qu'on y a quatre réponses possibles. Il y a eu une enquête qui a été faite en Belgique, les résultats ne sont pas encore publiés, donc il y a quatre réponses possibles. C'est les détruire, les donner à un autre couple, ou bien les utiliser pour la recherche scientifique. La quatrième réponse, j'ai oublié ce que j'avais donné comme réponse. Donc les 62% des femmes disent que c'est pour de la recherche scientifique. Donc, qu'est-ce que ça vous inspire, le fait que le consensus est de plus en plus large, ou en tout cas la majorité de plus en plus large, pour faire des recherches scientifiques à partir de ces embryons ou ovocytes ? Peut-être, en tout cas moi, ça m'inspire le fait qu'il y a davantage de générosité dans la population qu'on l'imagine. Et d'abord détruire à ce moment-là, c'est pas le même sens que là, ce dont on parle, mais ça n'a vraiment pas beaucoup de sens. Or, c'est ce qu'on fait, on détruit une quantité invraisemblable d'embryons dans nos centres partout. Et que je comprends que donner à un autre couple, ça implique d'autres choses de la part de la femme. Je comprends qu'il y a un peu plus de réticence, mais il y en a plein aussi qui sont d'accord de le faire. Et quant à donner à la recherche, c'est la grande solidarité humaine. C'est parce qu'il y a eu de la recherche, d'ailleurs, sur quantité de gens avons-nous, qu'il y a une médecine qui nous soigne, nous. Eh bien, c'est la même chose qui s'organise là, c'est parce qu'il y aura eu de la recherche sur les embryons, qu'il y aura dans 10, 20, 50 ans, 100 ans, j'en sais rien, des choses extrêmement positives pour les enfants et les gens atteints de maladies.
Simplement compléter, effectivement, c'est une marque, je trouve, d'altruisme. Et au comité d'éthique de l'INSERM, on a cette réflexion sur comment on retourne vers ces personnes qui ont eu cette générosité et comment on peut essayer de réfléchir à leur donner des résultats, bien sûr, globaux de la recherche, mais de dire... Voilà, votre don a permis de faire avancer tel sujet pour la science, etc., sur telle maladie. Et il y a vraiment, un quelque chose, il faut qu'on, ça ne se fait pas encore, et comment on revient vers ces personnes pour leur dire merci de cet acte de générosité pour faire avancer la science. Juste une chose à propos de l'épigénétique, parce que, c'est un peu facile, là, maintenant, on dit, la génétique, ça ne dit rien, c'est l'épigénétique, et puis il y a le microbiote, et puis évidemment l'environnement. Et c'est vrai qu'entre M. Grégoire Delory et moi, nous avons à peu près 6 millions de différences. Et en connaissant ces 6 millions de différences, on serait incapable de prévoir ce que nous serions devenus, qui dépend effectivement de l'épigénétique, du microbiote, de l'environnement, de l'éducation, de la culture, etc., etc. Sauf que de temps en temps, et heureusement, rarement, il y a des modifications génétiques qui perturbent ce programme auquel vous ne croyez pas et qui font que, effectivement, une mutation dans le gène d'IRK1A fait que une paire de bases sur 6 milliards, enfin, 2 fois 3 milliards sur 6 milliards fera que l'enfant ne parlera pas, ne sera pas n'aura pas de langage, etc. Alors, heureusement, c'est rare. Mais celles-là, elles orientent vraiment le devenir de la personne. Oui. Alors là, je suis totalement d'accord avec vous parce que vous faites une différence fondamentale, quelque part, dans une différence de causalité. Vous dites, il y arrive qu'il y ait des mutations dont on soit sûr. C'est ce que vous dites, et ça, c'est extrêmement intéressant. Dire que, je vais dire, il y a des choses que je ne sais pas, des choses que je suspecte, et des choses dont je suis sûr. Or là, il y a un curseur à avoir. Car en effet, si l'on arrive à distinguer ce dont on est sûr et ce dont on n'est pas sûr, on a déjà deux voies d'accès. Ensuite, on regarde comment on construit les choses. Moi, ce dont je parlais tout à l'heure, cette zone de flou. Car en effet, ce que vous dites peut être un lieu d'expression, on va dire, du curseur possible en fonction de ce que vont nous dire les spécialistes en disant là, quand il y a telle modification, on obtient, et c'est sûr, là, il n'y a pas à transiger, il n'y a pas d'épigénétique. J'ai entendu dire qu'il y avait des cas comme ça, effectivement, de choses qui sont très claires. Et à ce moment-là, on est dans une posture qui est très différente de rentrer dans une posture du trouble. Là, je suis sûr. Et effectivement, c'est ça les avancées extraordinaires qui consistent à dire, vous venez de le dire, deux paires de bases sur 6 milliards et on va avoir une conséquence extrêmement fâcheuse. Je suis parfaitement d'accord. Là, ce que vous dites me semble une excellente voie pour justement, au législateur peut-être aussi, lui dire, attention, est-ce qu'on est sûr ou pas ? Est-ce que ça peut donner lieu ou pas à l'évolution du curseur ? C'est là tout l'enjeu des débats. Jusqu'où on peut dire « je suis sûr ». Et tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je remercie M. Grégoire Delory de me faire une transition douce, donc Grégoire Moutel. Je voudrais quand même qu'on rappelle au public ici présent qu'il y a deux volets aujourd'hui dans le débat éthique. C'est l'aspect réflexif que vous avez tous développé et qu'avec le plus grand respect, on pourrait développer des heures encore, et qui nous captiverait, mais chacun avance aussi un peu masqué avec des convictions. Et c'est tout à fait respectable. Au bout du bout, il y aura aussi une éthique de la décision, qui va être celle des états généraux de la bioéthique et du fait qu'en tant que citoyen, vos élus vont voter. Il y a une force de pragmatisme que je voudrais rappeler et qui rejoint les propos de Bertrand Kiefer. Finalement, on a le choix entre interdire et se défausser vers d'autres pays du monde, ou alors accompagner de manière responsable. Et je pense que l'éthique de la responsabilité, elle est aussi là. Et pour reprendre les propos de Julie Stéphan, et forcément je porte moi aussi une conviction, mais pas sur le fond même de vos discussions, sur le statut de notre société. Est-ce qu'on est capable d'être mature et de parler autre chose que d'interdiction ou d'autorisation, changer le delta de la réflexion de la loi pour dire la vraie question, c'est est-ce qu'on est responsable et est-ce qu'on rencontre d'eux régulièrement. Et je vais citer quelqu'un que j'aime bien, qui était Jean Bernard. On a tous nos pères en médecine et en éthique, parce que ce débat, il a eu lieu déjà en pédiatrie, en néonatologie. Il fut un temps, on disait, on ne va pas faire de recherche sur des enfants en néonatologie parce qu'il n'y a pas le consentement,
parce qu'on ne sait pas vraiment ce que ça va demeurer vis-à-vis d'eux. Donc, eh ben, on a changé le curseur. On a mis des comités de protection des personnes. La société rend des comptes. Les chercheurs sont responsables. De temps en temps, ils font plus que s'interroger. Je pense que Julie Stéphane fait plus que s'interroger tous les jours. Donc, le chercheur n'est pas dans sa bulle. Voilà ce que je voulais vous dire. Et dernier petit point. Si, au fond de vous-même, c'est une question toujours qu'il faut se poser, on a peur de la médecine, c'est parce qu'on a mal peut-être communiqué sur ce qu'était la nature du soin. Et je voudrais quand même rappeler aussi ce clivage très clair. On parle de dérive. La dérive, on la connaît en médecine. Plus de dons d'organes parce que dérive de commercialisation. Plus d'usage de morphinique parce que dérive de toxicomanie. Notre société est capable, dans le champ de l'éthique médicale, de poser les limites qui rassurent le collectif. Je voulais le dire aussi parce que c'est une parole qui est aussi la défense de ceux qui travaillent dans le domaine du soin, qui de temps en temps sont confondus avec d'autres secteurs de la transgression. J'ai le plus grand respect pour le transhumanisme, mais chacun a sa place dans la société. Voilà. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, on pose clairement la question, puisque c'est des lois de bioéthique qui s'agissent, de savoir si la société souhaite ou non confier au corps professionnel, aux soignants, aux chercheurs, une responsabilité qui est lourde, ou est-ce qu'on s'en défausse et on dit effectivement, on le laisse aux Chinois ou à d'autres pays du monde. Bonjour, merci pour cette table ronde passionnante, parce qu'elle est vraiment passionnante. Quand vous dites qu'il n'y a pas de définition légale de l'embryon, il y a hélas un secteur où il y a une définition légale. Vous le savez tous, je pense, que les embryons surnuméraires sont stockés, congelés dans les laboratoires des Secos, et aujourd'hui il y en a 250 000. Ce qui, par parenthèse, pose vraiment un problème à notre société. Qu'allons-nous faire de ces 250 000 embryons congelés ? Et ces embryons congelés, quand au bout de 5 ans les parents ne payent plus la cotisation, deviennent ce qu'on appelle des embryons sans projet parental. Donc il y a bien une définition. Il y a deux types d'embryons. L'embryon avec projet parental qui reste conservé et l'embryon sans projet parental qui est destiné à la recherche, au don ou à tout ce qu'on veut. Voilà. Merci. Simplement une petite remarque pour répondre à ce que vous disiez, cher monsieur, par rapport à la société. Et j'aime bien reprendre ici en France la triade de la République, liberté, égalité, fraternité, qui fonde finalement notre vivre ensemble. Or, vous parliez d'interdire ou d'accepter. Or, ce choix d'interdire ou d'accepter se fonde beaucoup dans notre inconscient collectif autour de la première valeur de la République, qui est celle de la liberté. Liberté, égalité, rappelons-nous, deux valeurs garanties par la loi. Et la troisième valeur, c'est la fraternité qui, elle, est une posture morale. Or, si je pense l'embryon ou la relation humaine autour de du fondement même de la liberté, alors ma responsabilité, elle sera presque légale. Imaginons que nous changions la devise de la République et que nous intervertissions l'ordre des mots, et si nous mettions fraternité, liberté, égalité, alors ça serait intéressant parce que vous savez, quand le premier mot est souvent le plus important, du moins symboliquement. Et si on mettait fraternité au tout début, alors à ce moment-là, on ne serait plus dans la question, comme vous le disiez fort justement, de l'interdiction, etc. On serait dans la question de la fraternité et de la posture morale avant tout. Et ça ouvre énormément de choses et ça va bien au-delà de la question du droit, du oui ou du non. Et je pense qu'effectivement, on est souvent soumis à cette espèce de regard légal, légaliste sur les choses, alors que me semble-t-il, c'est la fraternité qui est première. Et moi, je milite pour qu'on change l'ordre des mots de notre devise républicaine. Je voulais répondre à ce monsieur. Je comprends que vous soyez très embêtés, et nous sommes tous d'ailleurs très embêtés par tous ces embryons qui sont congelés, mais je voudrais quand même remettre les choses à leur juste place. Les embryons qui sont congelés à un temps indéterminé, et nous avons le droit de les détruire, et uniquement de les détruire, si nous n'avons plus de nouvelles des patients pendant 5 ans. Donc ça n'a rien à voir avec le financement, absolument rien à voir. C'est pas parce que les patients veulent pas payer, c'est parce que les patients n'ont pas donné de nouvelles pendant 5 ans, malgré un nombre de lettres et de recommandés. Voilà, donc ça c'est extrêmement important. Et ensuite, la seule possibilité qu'on a, c'est uniquement de les détruire. On ne peut pas les donner à la recherche, on ne peut pas en faire ce qu'on veut. Donc je voudrais quand même qu'on remette les choses en place.
Et ne doutez pas, vous ne pouvez pas vous permettre, je suis désolée, vous ne pouvez pas vous permettre de considérer qu'en loose day, en douceur, comme ça, sans dire à personne, on utiliserait ces embryons qui seraient laissés à l'abandon. Ça, vous ne pouvez pas dire ça. Non. Dernière question, Aurélien Benoualid. Merci beaucoup pour ce débat qui est riche, qui est tentaculaire dans les implications. Mais j'ai tout de même une question, parce que j'ai l'impression, au fil des débats que j'ai pu écouter l'année dernière, cette année, sur l'embryon, on tourne quand même autour d'une question centrale que j'aimerais peut-être éclaircir un peu, afin peut-être d'éclaircir justement un petit peu les différentes parties de l'équation. Il me semble que dans la nature et le statut de l'embryon, il faut distinguer son statut métaphysique, monsieur Deloris, c'est ce que vous avez également utilisé comme terme, et son statut physique, c'est-à-dire le statut métaphysique, par définition, me semble-t-il, est un statut auquel on ne peut pas accéder. C'est-à-dire nous n'avons aucune possibilité de dire s'il y a dans l'embryon, et on ne pourra jamais répondre à la question de savoir s'il y a du divin dans l'embryon, et qui doit bien entendu être considéré aux yeux de la culture, et c'est tout à fait naturel. Cependant, quand je vous entends parler, notamment à un moment donné, vous parliez de bactéries, de volonté, on entend bien que dans cette idée, il y a finalement l'idée qu'il y a quelque chose qui transcende la cellule, qui transcende l'organisme unicellulaire. Enfin, moi, je suis neurologue et la volonté, les mots, effectivement, ont un sens, je suis assez d'accord. La volonté, on ne peut pas dire, par exemple, qu'une bactérie, effectivement, va avoir la volonté. Je pense que sur un plan scientifique, ça ne tient pas la route. Et de la même manière que je partage l'avis de M. Mandel sur l'épigénétique et sur ce qu'on colle sur l'épigénétique, parce qu'on voudrait pouvoir expliquer tout le devenir d'un individu en fonction de l'épigénétique. Or, l'épigénétique est une discipline qui a une énorme implication, mais qui n'explique pas ce qui est le plus important pour l'homme. Ça explique peut-être certains éléments sur l'obésité, sur la résistance à l'insuline, etc. Donc ça a un rôle évidemment éminemment important dans la recherche et dans la médecine. Mais il me semble quand même que cette question de la métaphysique et de la physique de l'embryon, elle doit être posée et elle doit être éclaircie. Parce que lorsqu'on mélange les genres et lorsqu'on calque sur un statut métaphysique, eh bien, des éléments de volonté, des éléments de transmission qui ne sont pas forcément de l'ordre de la métaphysique, je pense qu'il y a effectivement un trouble qui ne permet pas de se faire une opinion très éclairée de la situation et du statut de l'embryon. Bon, alors évidemment, je réponds. Oui, parce que alors là, effectivement, la question est importante. Je n'ai pas parlé de cette manière-là. J'ai pas dit qu'il y avait du divin dans l'embryon. J'ai parlé tout à l'heure d'une façon de faire une métaphysique de l'ADN, c'est-à-dire de construire une métaphysique de l'ADN, dont je n'ai pas dit nécessairement que j'étais un fervent défenseur de cela. Ce que j'essaie de construire, c'est une pensée, eh bien, de l'humain en incomplétude. C'est-à-dire qu'en fait, l'humain dépasse largement l'humain, ainsi que le vivant dépasse largement le vivant. Ce qui signifie qu'une métaphysique de l'humain ne passe pas nécessairement par une pensée immédiate de Dieu, même si on peut avoir une conviction religieuse sur cette question-là. Mais même en tant que physicien, on voit bien que la matière dépasse infiniment ce qu'elle est elle-même. Il y a donc, je dirais, une incomplétude telle, comme dit très bien Thierry Magnin dans ses livres, une expérience même de l'incomplétude. Or, cette expérience que nous avons de l'incomplétude ne nous dit rien sur une conviction religieuse, mais d'une expérience intime, d'un ressenti non fini. C'est ça qui est important. Je ne suis pas en train d'expliquer qu'il faut croire ou pas croire qu'il y a une divinité qui crée la double hélice de l'ADN selon une fonction particulière. Je n'ai pas cette mystique einsteinienne. Mais je pourrais construire, par contre, une pensée sur ce qui est inaccompli, sur le fait que le monde est inaccompli et incomplet, inaccompli et imparfait, totalement imparfait. Et c'est ça qui est intéressant, cette incomplétude à la fois dans l'imperfection du sens perfectus, ce qui est parfaitement adapté, ce n'est pas le cas, du sens accompli, teleios, ce qui n'est pas non plus le cas, et du sens moral qui ne nuit à personne. C'est cette métaphysique-là que je considère, qui est donc dans cette incomplétude et qui n'est pas du tout à dissocier nécessairement de la réalité physique qui elle-même est incomplète. Donc je ne décollerai pas les deux questions, je les remets ensemble de manière à pouvoir ouvrir quelque chose de beaucoup plus fort que la simple, je dirais, distinction entre le public, le privé, entre le Dieu et entre la matière. Non, je crois que là c'est extrêmement important, c'est une métaphysique de l'incomplétude. Moi, j'aimerais juste dire une chose, parce que je partage au fond tout ça, je partage ce qui a été dit. Maintenant, moi, je crois aussi qu'il faut être pragmatique. On est dans des démocraties.
Et c'est intéressant de voir que des démocraties comme la Suisse et la France, on doit avoir des attitudes pragmatiques. On ne peut pas se taper sur la figure autour de l'embryon, parce qu'à part ça, il y a bien d'autres choses. On a des grosses divergences. Il y a au moins 30 façons de considérer l'embryon. Il y a aussi ceux qui disent au moment où il y a la première étincelle du cerveau qu'il faut le considérer comme tel. Il faut être pragmatique, et nos démocraties ont trouvé une forme de gradualisme. Au fond, c'est un gradualisme qu'on utilise pour l'interruption volontaire de grossesse, pour tout ce qu'on fait. C'est un gradualisme imparfait, il y a des passages dans le gradualisme. Mais enfin, entre un fœtus avancé, où il y a un attachement maternel, on le voit d'ailleurs à la souffrance de la mère lors des fausses couches aussi, le type, et un embryon de une cellule, il y a une graduation. Et ça, quoi qu'on pense au niveau métaphysique, c'est ce que nos démocraties construisent pour pouvoir faire quelque chose. Sinon, on ne peut rien faire. Et puis, j'ai été très marqué aussi par l'affaire de c'est marrant, parce que Jean Bernard, j'ai lu toute son histoire. Lorsqu'il fait ses premières thérapies d'enfants leucémiques, il y a à peu près 100% d'enfants qui meurent, et il se fait tomber dessus par des milieux. Moi, je me sens très proche de ces milieux, d'ailleurs, qui étaient là. Mais comment on peut faire souffrir ces enfants alors que 100% meurent? Et on les fait souffrir encore avec des chimiothérapies. Eh bien, maintenant, il y a plus de 90 ou 95% des enfants qui survivent aux leucémies. Donc, attention aussi. Il faut qu'on sache ce qu'on veut, ce qu'on fait. Est-ce qu'on va accepter quand des choses seront trouvées dans d'autres endroits? Et je crois vraiment qu'il y a une responsabilité. Mais en tout cas, nos démocraties actuellement construisent une forme de gradualisme. Et est-ce qu'on veut se faire la guerre? Et je pense que ça n'empêche pas de penser comme vous. Il nous reste à vous remercier au nom de la salle, de la tenue et de la hauteur de ce débat.